Tac, je vais fermer tout ça. Voilà. On va attendre quelques secondes que tout le monde ait le Oui. temps d'arriver. Et puis après, on lancera le truc. Ça commence déjà dans le chat. Pense aux hommes seuls. Aide-nous à motiver les filles à l'autonomie, s'il te plaît, Agnès. On a plein de jeunes hommes là qui sont en désespérance vis-à-vis de la gente féminine. Vous savez, on a sur le Discord réseau autonome, on a une section rencontre. Hein, vous pouvez essayer, on ne sait jamais. Hein. Ah, Bon, d'accord, on va ouais, c'est vrai. démarrer. Oui, c'est bon, t'as les commentaires à droite. Ouais, du Ouais, coup, je dis jamais. j'étais en private chat, donc je suis passée en comments. C'est bon. Ah D'accord. oui, Ok. voilà, je vois. Bon. Y en a un qui dit qu'il y a de l'écho, mais enfin moi j'entends pas d'écho, donc peut-être ça. Enfin, je sais pas. Donc on va voir. Si des fois il y a vraiment des problèmes de son, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Là pour nous, la conversation est claire, donc je sais pas. On va voir. Non, c'est bon pour toi aussi, Agnès? Ouais. Ouais, non, c'est bon. Parfait, parfait. Ah, Agnès nous entend. Oui, Agnès, elle nous entend. En fait, elle suit la conversation sur son PC à côté. Elle modère le chat, elle répond un peu aux questions, tout ça. Et enfin voilà, elle est à la régie, quoi. Donc pouce bleu pour Agnès. Ouais, salut Agnès, merci beaucoup. Bon, je te propose de lancer un petit peu le truc. Donc, déjà, bonsoir tout le monde. Merci de nous avoir rejoints donc, pour ce live. Donc, on est parti, on verra. Généralement, on se fait 2 heures et demie, ça dépend, on n'est pas tenu. Donc, aujourd'hui, on est avec Aurélia de French Homestead. Donc, j'ai trouvé son profil très intéressant et donc j'ai voulu l'inviter pour qu'elle nous partage toute son expérience, tout ce qu'elle fait, tout ça. J'ai trouvé qu'elle se rattachait vraiment à la dynamique d'autonomie de par l'élevage, la production alimentaire, tout ça. Donc, c'est la raison de sa présence ce soir. Donc, on va s'intéresser à elle, à son passé, à ce qu'elle fait aujourd'hui, le pourquoi. Enfin, on va discuter de tout ça comme on a l'habitude de le faire. Et du coup, Aurélia, si tu veux faire une petite présentation succincte avant qu'on rentre un petit peu dans Oui, le détail de la personne. ça marche. Mais alors, j'étais dans la restauration au départ. J'ai fait 10 ans de restauration, donc un peu de tous les postes. Et j'ai commencé à développer une maladie neurologique dégénérative qui m'empêchait de continuer dans le métier. Et c'est tant mieux. Hein, maintenant, je dis merci à cette maladie. Et donc, on a fini par. J'ai quitté mon travail. On a acheté une maison un peu plus à la campagne. On est à 40 km au nord de Bordeaux. Et en ayant 2000 mètres carrés de terrain, bah, une chose en amenant une autre, ma belle-mère m'a donné des graines, j'ai commencé à planter, et puis voilà, on plante un plant de tomates, l'année d'après, on en a 50, et ensuite on prend des poules, et on prend des canards, et c'est exponentiel, et on n'arrive plus à s'arrêter, quoi. Donc voilà, D'accord. juste. Ouais, du coup, alors j'aimerais bien qu'on rentre un petit peu plus dans ton passé, si tu me le permets, évidemment. Oui, pas de problème. Voilà, il y a la vie. Y a la, ouais. Et donc, tu disais que tu travaillais en restauration. Est-ce que tu as fait des études quelconques avant ça? Est-ce que tu as des diplômes techniques, je sais pas, du maraîchage, de l'élevage? Est-ce que tu avais Non. déjà étudié ça? Pas du tout, non. Pas du tout. La restauration, j'ai commencé à 15 ans en apprentissage et je suis partie vivre sur D'accord. Bordeaux en fait et j'ai emménagé. Voilà, je commençais à vivre seule à 15 ans en fait. Donc je suis restée D'accord. dans la restauration. J'ai pas fini mon apprentissage, hein, mais voilà, sans diplôme, sans rien. Et j'ai aucun diplôme en rapport avec le maraîchage. J'ai fait aucune étude et j'ai pas fait de formation permaculture comme certains les vendent les week-ends ou la semaine, voilà. Rien de tout ça. J'ai pris des bouquins, internet, certaines chaînes YouTube et voilà. J'ai appris D'accord. moi-même. Ok, autodidacte, pardon. Ouais, d'accord. Et si, il y a un truc qui est intéressant aussi à dire, c'est que tu vas beaucoup sur le YouTube anglophone. Il Oui, me semble que tu oui. es à l'aise avec la langue anglaise, et du coup, Oui. tu vas chercher tes sources directement. Je, en fait, Ouais. je suis des chaînes YouTube majoritairement américaines. Parce que la réalité, c'est qu'en France, on est quand même tenu par rapport aux réglementations, à tout ce genre de choses. Il y a une liberté qu'ils ont là-bas, qu'on n'aura jamais ici. Et donc, ça leur permet quand même de proposer du contenu qui est plus poussé et pour moi, plus intéressant. Et j'ai appris beaucoup de choses de Justin Rhodes. Je ne sais pas si certains connaissent.
ceux qui parlent anglais doivent connaître, parce qu'il a plus de, il a plus de 700 000 abonnés aujourd'hui sur sa chaîne YouTube. C'est quand même, c'est quand même pas mal. Et voilà. Ouais, c'est vraiment un gros YouTuber là, 700 000 abonnés. On est sur voilà. C'est clair, clairement. Ouais. Et du coup là, tu parles de liberté, ça m'intéresse. Tu veux dire que la législation, tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça, parce que j'arrive pas bien à comprendre en fait. En France, il y a des lois, par exemple, pour l'abattage des animaux. Les ovins et les bovins ne peuvent pas être abattus sur la ferme, par exemple. On doit les envoyer en abattoir. C'est une question, j'imagine, d'hygiène, etc. Et il y a aussi le fait que c'est pareil pour posséder de la terre. C'est un peu plus compliqué en France. Il y a des restrictions, ça coûte plus cher. Donc, il y a aussi ça. Là-bas, aux États-Unis, comme il y a beaucoup plus de terres, évidemment, c'est plus facile de trouver des personnes qui proposent du contenu, qui ont beaucoup de terres, donc beaucoup d'animaux, qui font pas mal d'élevages diversifiés. C'est quand même beaucoup plus simple aux États-Unis qu'en France, clairement. Ça dépend des États, évidemment. On a des États qui sont très restrictifs, comme la Californie, l'État de New York, mais les États qui sont beaucoup plus free, ça nous permet d'avoir, nous en France, si on parle anglais, d'avoir un contenu qui est vraiment fantastique. Et on apprend énormément. Ok. D'accord. Ok, ouais, c'est vachement intéressant à savoir ça. J'en savais rien du tout. C'est vrai que je consulte pas. Déjà, je consulte peu de chaînes finalement, et je m'étais rare. Enfin, c'est rare que je sois tombé sur des chaînes anglophones en fait qui traitent de nos sujets. Tu nous as expliqué aussi donc que tu étais atteinte d'une maladie qui a finalement un peu chamboulé ta vie, quoi, hein, concrètement. Hein, c'est ça. Mais alors là, moi, ce qui me pose question, c'est que bon, il se révèle que tu as, on peut peut-être parler de handicap parce que c'est une maladie qui est là, quoi, hein, et qui reste, quoi. Oui. Ouais. Et tu me dis hein, si ça te dérange d'en parler. Non, pas du tout, pas du tout. Bah, je sais qu'il y a des gens qui en plus se sentiront concernés par ça parce qu'ils vivent avec quelque chose de chronique et de dérangeant. Donc c'est un sujet justement qui est intéressant à approfondir pour les autres aussi. Et donc ça t'a obligé donc à lâcher finalement ce boulot que tu faisais. Et ma question en fait c'est pourquoi est-ce que tu t'es, parce que enfin, tu vois, quelqu'un se dit attends, moi je suis dans, j'ai des capacités physiques qui se réduisent. Ah ben moi, je vais faire encore des trucs plus difficiles. Je vais me mettre à l'élevage, je vais bêcher mon jardin. Tu vois, je vais faire des trucs. Tu vois, enfin, c'est pas la première chose qu'on pense. On pense handicap, on pense tout de suite, canapé, télé, voilà. Voilà, ça, tu placard, quoi. Tu vois, repos, tu vois. Et donc, qu'est-ce qui t'a pris en fait? Explique-nous ce délire. C'est que le travail en tant que tel, le travail, j'entends prendre sa voiture, aller tous les jours au travail, faire ses heures. Ça, c'est, on n'a aucune liberté. On est obligé de bosser durant les horaires qui nous sont imposés. Dans la restauration, c'est un rythme très soutenu. On travaille 12 heures par jour en moyenne, 5 à 6 jours par semaine. Donc clairement, à ce niveau-là, c'était pas possible. Mais dans mon jardin, j'ai une liberté que j'aurais pas en étant salarié ou même dans le patronat, dans la restauration, hein, clairement. Je peux m'arrêter quand j'ai mal aux mains, quand j'ai plus la force, et surtout, je peux changer régulièrement d'activité, ce qui me permet de gérer en fait les douleurs. Parce que comme c'est neurologique, c'est les nerfs qui sont touchés dans les bras principalement. Ça se répand au reste du corps, mais tout doucement. Et j'ai constaté que justement, travailler le jardin, m'occuper des animaux, avait permis de ralentir la progression de tout ça. Donc, je pense que c'est aussi lié pas mal aux angoisses et au stress qui peut être apporté par la vie extérieure. Donc, à l'intérieur, chez moi, il n'y a pas de stress. Je peux gérer tout ça. Et donc, si je gère mon temps correctement, que je passe, mettons, une demi-heure à désherber et puis ensuite une heure à faire des plantations, je fais pas tout le temps les mêmes mouvements. Ça me permet de pouvoir continuer mes activités et aussi de prendre des pauses entre chaque activité pour pouvoir récupérer un petit peu. Ce que dans le travail, on peut pas faire, clairement. Mmh. À moins d'avoir un poste spécial handicapé, mais bon, ça, c'est pas le but. D'accord. Et ça, ouais, pareil, enfin, je suppose que tu as eu une prise en charge, j'imagine, vis-à-vis de la sécurité sociale. Non, pas du tout. Non. Car en fait, les médecins, eux, bon, en France, j'ai contacté un médecin déjà américain parce qu'il fait partie des seuls qui ont déposé un diagnostic qui ressemble pas mal à ce que j'ai. Mais les médecins en France, eux, ne peuvent pas poser de diagnostic aujourd'hui. Ils me disent que c'est une maladie dégénérative des nerfs. Mais hormis ça, ils me disent, tant qu'on n'est pas allé ouvrir et charcuter à l'intérieur des bras pour s'assurer de ce qu'il y a, on ne peut pas savoir. Moi, j'ai pas envie qu'on vienne me charcuter. On m'a déjà opéré et ça a été un échec total. J'ai perdu 40% de mobilité en plus dans ma main droite.
Donc, ça, je veux plus le faire aujourd'hui. Je préfère pas savoir réellement ce qu'il y a et éviter la chirurgie. De plus, les médecins, eux, s'ils trouvent ce qu'il y a, ils vont vouloir me soigner à base d'anti-inflammatoires et morphine, comme ils me le faisaient déjà avant. Et aujourd'hui, je veux plus prendre de médicaments. Donc, j'ai abandonné la médecine à ce niveau-là et je m'occupe de moi-même toute seule. Et tout ce qui me fait du bien, bah, je continue à le faire. Et ce qui ne m'aide pas, j'arrête de le faire. Voilà. D'accord. Ok, ok, d'accord, très bien. C'est intéressant, hein, c'est très intéressant ce que tu dis, je trouve, ce rapport avec la médecine qui me semble pas forcément dire être une rébellion, mais plutôt justement une constatation que là, pour le moment, elle a pas de solution. Oui, vraiment, c'est ça. C'est vraiment ça, c'est que là, elle peut pas proposer de solution qui soit convenable. Pas pour moi. Voilà, ouais, d'accord. Alors, je prends les choses en main, c'est plus simple comme ça. Et ouais. C'est vrai qu'on est quand même en Europe. En Europe, il y a quand même beaucoup de laboratoires qui sont les premiers à établir les protocoles en médecine. Et forcément, laboratoire dit vente, dit médicaments. Donc, quand on essaie de trouver des médecins qui vont être d'accord de nous soigner de façon, disons, holistique, sans avoir à se prendre des antidouleurs et autre chose. Non, on a affaire à des médecins souvent qui sont récalcitrants par rapport à ça. Donc, voilà, c'est... Et je gère mieux depuis que je ne passe plus par les médecins. Il y a aussi beaucoup moins de stress, en fait. D'accord. Ok. Bon, c'est une expérience intéressante. Du coup, j'avais une autre question aussi. Il me semble aussi que sur ta chaîne, tu parlais finalement que le fait de produire, enfin, il y avait aussi une nécessité un petit peu économique. Oui. Ça, je l'entends très bien. Nous, c'est aussi une des raisons qui nous a poussé à, c'est d'augmenter un petit peu sa qualité de vie, son pouvoir d'achat, de par le fait que on produit, donc on a moins à acheter. Tu peux nous en parler un petit peu de ça? Alors après, je voudrais pas que les gens croient que quand on fait tout soi-même et qu'on produit son alimentation, c'est vraiment des économies monstrueuses. C'est en termes de ce que l'on peut obtenir comme résultat, en comparaison de ce qu'on trouverait dans les magasins, c'est sûr que c'est une économie. Mais après, ça demande quand même un minimum d'investissement. Hein, tu le sais toi-même, j'imagine. C'est pas gratuit. Hein, voilà, quand on élève des poules, on n'a pas des œufs qui tombent du ciel gratuitement. Il faut les nourrir, il faut les soigner. Tout ça, c'est de l'investissement, mais on n'aurait jamais une qualité qui pourrait s'apparenter à ça nulle part ailleurs. Donc, effectivement, on fait des économies. Sinon, il faudrait trouver des fermiers indépendants. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si on voulait acheter la qualité qu'on consomme aujourd'hui, on n'aurait pas le porte-monnaie pour. Oui, et je ne sais même pas où on trouverait ça en plus. Pour beaucoup de choses, je ne saurais pas vers qui me tourner, clairement. Ouais. D'accord. Donc, finalement, en fait, si je comprends bien, comment te dire, comment amener ça ? Il n'y a pas vraiment de... C'est pas vraiment un jour tu t'es dit, vas-y, je fais un retour à la nature, je reproduis mon alimentation. Finalement, c'est un peu les choses de la vie qui t'ont amené à ça, quoi, si j'ai bien compris. Voilà. C'est comme si je n'avais pas choisi, en fait, du fait d'avoir arrêté de travailler, emménagé ici, et puis que ma belle-mère soit arrivée, elle qui a toujours cultivé ses légumes, hein, même au moment où la centrale de Tchernobyl a pété, elle récoltait ses légumes dans son potager, ce qui n'était pas le top à l'époque, mais elle a toujours nourri ses enfants. Donc, mon compagnon Renaud, aux légumes du potager, elle a toujours cherché à acheter par des circuits courts et à trouver de la super qualité en termes de nourriture. Et bien sûr, elle m'a poussée à faire pareil. Allez, tiens, je te donne des graines, plante ton premier potager. Et puis voilà, c'est exponentiel. Après, on commence et on ne sait plus s'arrêter. D'accord. Et on veut toujours plus. Ah oui, mais ça, c'est certain. C'est certain. Du coup, tu nous as expliqué un petit peu, toi, ta situation. Tu as un compagnon, un mari. Je ne sais pas si tu es marié, mais bon, enfin, tu vis avec quelqu'un. Cette personne est salariée, hein, c'est ça ? Renaud est salarié. Non, Renaud est indépendant, il a un studio de production musicale, d'ailleurs il y a une porte derrière moi, ça donne sur son studio d'enregistrement, donc lui il est indépendant depuis plus de 10 ans maintenant, et voilà, il produit de la musique en fait, pour être honnête, hein, de la soupe qui va finir en radio, c'est le genre de choses que si on a vraiment des oreilles un peu sensibles, on peut pas écouter, ça nous fait saigner les oreilles, mais... Ah, je maudis ton mari, parce que je me suis tapé j'ai travaillé en magasin pendant 7 mois, oh, et je me suis tapé sa soupe pendant 7 mois, donc très franchement, tu débrouilles, mais il y a un moment...
Je sais pas, il va falloir faire quelque chose, c'est plus possible ça. Et c'est pas prêt de s'arranger, je crois que la tendance est de pire en pire. Bon, il fait pas ça par inspiration, hein. C'est pas ce qu'il aime faire ça, c'est que dans la musique, c'est clairement la seule chose qui rémunère aujourd'hui, quoi. Donc voilà, à la base, il vient du milieu techno, hardcore, ce qui n'est pas du tout le même réseau. Non, c'est pas de. Ok. Rien à voir. Ouais, donc du coup, lui aussi, je pense que quelque part, ça doit lui faire un peu de mal. Bah, quand on lui demande ce qu'il fait dans la vie, il dit moi, je fais de la soupe. Les gens doivent directement s'imaginer qu'ils travaillent à la cuisine d'un EHPAD. Alors d'accord. Donc du coup, voilà. Donc en fait, c'est tout ça qui vous permet d'assurer de votre, vivre. Voilà. Ouais. Lui, il travaille. Comme il est indépendant, il travaille tout le temps. Quoi. Il n'y a pas de jour de repos. En général, il prend 3 jours à Noël. Ça s'arrête là. Et il travaille même le dimanche, il travaille à toute heure. On a des horaires complètement décalés. Lui, il travaille jusqu'à 5h du matin, donc il se lève à midi 13h. Et il travaille tout le temps, mais en même temps, comme il travaille pour lui et qu'il peut s'arrêter pendant 2 heures ou prendre une après-midi par-ci, par-là, c'est quand même une liberté, même s'il fait plus d'heures que dans le salariat, c'est une liberté qu'il n'aurait pas dans le salariat. Et il peut plus être salarié aujourd'hui. Il a passé tellement de temps indépendant que je pense pas qu'il pourrait redevenir salarié. D'ailleurs, je pense pas que je pourrais redevenir salarié aussi. Je pense que c'est une mauvaise salariée. J'ai tenté le retour récemment, c'est compliqué. Oui. Voire même impossible. C'est-à-dire qu'on s'habitue, comme tu disais tout à l'heure, à l'aménagement de ses horaires, le respect en fait de sa fatigue, de ses envies aussi. Et tout ça, en fait, c'est des choses que, quand tu as pris l'habitude, cette liberté, revenir à la contrainte bête et disciplinée, l'individu est déconditionné, quoi. Et quand on est déconditionné, c'est compliqué pour faire machine arrière. Hein. Ça, c'est clair. C'est clair. encore une fois, hein, si les questions sont trop indiscrètes, auxquelles tu ne veux pas répondre, il n'y a pas de souci. Hein, moi, je ne veux pas forcer les gens. Tu perçois tout de même une aide, qu'elle soit chômage, ASS. Non. Tu touches absolument rien, toi. Non. D'accord. Ok. Ouais. Non, parce que pour avoir une aide, par exemple, pour un handicap. Il faut avoir un diagnostic déposé. Ouais. Et donc, il faudrait que je fasse de la chirurgie pour qu'on puisse en arriver là. Et clairement, c'est pas quelques centaines d'euros par mois qui valent le prix de mes bras, quoi. Mes bras valent plus cher que ça. Et Renaud arrive à subvenir aux besoins de la famille et on arrive à tirer quand même des prix assez intéressants en termes d'alimentation et ce genre de choses en produisant nous-mêmes. Donc, on s'en sort très bien comme ça aujourd'hui. D'accord. Vous avez des enfants pour se situer un peu ? Vous n'avez pas d'enfants. Okay. Et je me demandais, et vous en avez ? Non, pas encore. C'est pas pour l'instant, on a trop de choses à faire. Oui, non, je ne sais pas si tu connais un peu notre chaîne et ce qu'on fait. On est sur un projet qui est quand même d'envergure et on a l'envie de boucler les chantiers les plus physiques, les plus gros, les plus lourds avant d'engager ce genre de choses parce que on a dans l'idée que l'éducation d'un enfant, c'est beaucoup de temps, c'est un investissement très gros, c'est très chronophage et on pourrait difficilement l'allier avec certains travaux qu'on veut entreprendre ici. Donc, oui, commencer à être établi avant de pouvoir... Exactement, de se lancer là-dedans, ce qui est une très bonne chose. On a envie de faire les choses vraiment, on peut dire bien, ouais, s'il y a du bien, parce que ça touche un peu des cas personnels, enfin voilà. Mais bon, voilà, c'est comme ça qu'on a envie de faire. Non, mais voilà, je posais la question parce que la vie n'est pas la même forcément avec des enfants, les responsabilités ne sont pas les mêmes, les coûts aussi ne sont pas les mêmes, donc voilà, mais on aura l'occasion d'avoir des gens qui sont en famille, déjà on a déjà eu l'occasion d'avoir des gens qui sont en famille pour parler de tout ça. Ok. De quoi je voulais te... Ah oui, si, alors on va parler justement un petit peu de ton chez toi pour que les gens là qui sont pas forcément abonnés à ta chaîne, déjà qu'ils aillent s'abonner, hein, French Homestead, donc hop, on y va. et donc qui se situe un petit peu là sur ce que tu as. Est-ce que tu peux nous parler de ton terrain, déjà sa surface, on peut parler aussi de son relief, de la nature de la terre, si tu peux nous en dire un peu plus là-dessus.
Alors, il y a 2000 mètres carrés de terrain, donc c'est pas grand du tout, hein, comme quoi on peut vraiment élever pas mal de bêtes et puis cultiver pas mal de légumes là-dessus, sachant qu'on a une maison qui fait, je crois, 170 mètres carrés. Et le terrain, alors quand je suis arrivée, c'est simple, c'était du sable le sol, parce qu'en fait, ici, c'était des vignes. Pendant très longtemps, ça a été de la vigne, et donc les sols ont été extrêmement maltraités, évidemment. Et était très pauvre. Alors bon, ben, j'imagine que tu sais ce que c'est, cultiver dans du sable. Tu te retrouves avec un sol qui retient pas l'eau, aucun nutriment, rien. Donc il faut apporter beaucoup de matière organique. Et je tiens à préciser d'ailleurs qu'à ce niveau-là, j'apportais de la matière, ça faisait pas tellement une différence. J'ai commencé à mettre les poules sur le potager, et là tout a changé, clairement. Et pour le terrain, il est relativement plat, mais par contre, on a la chance ici d'être à 90 mètres de hauteur, enfin au-dessus du niveau de la mer. Ça nous évite les inondations. Et dans la commune, bizarrement, à chaque fois qu'il y a une alerte grêle, hein, en début de saison, quand on en a le plus peur, tout le monde se tape de la grêle à 3 km à la ronde autour de chez nous, et nous, jamais. Alors, on est vraiment chanceux, quoi. Donc, oui, C'est un tant coup que de ça, bol, oui, tant que ça dure. ouais, donc 2000 mètres carrés. Juste, je voulais revenir sur un petit. Juste, on va faire un petit retour arrière. Ouais. C'est sur l'acquisition de cette maison. Je suis intéressé de savoir, en fait, quand vous l'avez choisi, si vous aviez donc dans l'idée de faire ce que vous faites aujourd'hui, élevage potager, si vous avez, donc quels ont été les critères qui ont fait que vous l'avez acheté? Alors, Déjà, ben, ouais. on est en Gironde. Alors, au départ, on avait un budget de 125 000 euros. D'accord. 125 000 euros, on a visité des trucs à 150 000, c'était des ruines, hein, fallait détruire et reconstruire, hein. Ici, c'est la majorité de ce qu'on trouvait déjà il y a 7 ans. Aujourd'hui, c'est même pas la peine d'y penser, c'est excessivement cher. Et avec la LGV et les Parisiens qui sont arrivés. Donc, à l'époque, on n'a pas choisi la maison. La maison nous a choisi. C'était clairement l'affaire du siècle, parce qu'on pour 150 000 euros, on a une maison avec 2000 mètres carrés de terrain, une piscine, deux puits, dont deux nappes phréatiques, où on est les seuls à pouvoir puiser dedans. Ça, c'est très important, l'accès à l'eau, et pas l'eau du robinet traitée, chlorée, hein. Donc, et puis la maison était en parfait état. J'entends, la seule chose qu'il y avait à faire, c'était refaire un peu la déco, puisque bon, papier peint, floral, voilà, c'est pas le top. Mais vraiment, il n'y avait rien à faire. La maison était parfaite. Je suis arrivée devant le portail, c'est pas compliqué. Je voulais pas la visiter au départ. J'avais pas envie. Je voulais pas venir parce que j'étais fatiguée, je sortais du travail, j'en avais marre. Et Renaud a insisté. Heureusement, on est arrivé devant. J'ai su que c'était celle-ci. Tellement propre et clean, on avait vu des choses qui étaient juste des ruines à la place pour ce prix-là. Donc, on l'a pas choisi, c'est la maison qui nous a choisi au final. C'était vraiment une Ouais. très bonne affaire. On a réussi à C'était. esquiver l'agence immobilière aussi. On a réussi à leur passer derrière. Donc, ça, c'est ce qui nous a permis d'acheter, puisque l'agence en demandait, elle, 185 000 Ah au lieu de oui. 150 pour le propriétaire. Donc, ça fait plus de 10 %. Donc, il faut, si on peut Ouais. esquiver les agences, il faut de toute façon. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, donc c'est pas si excessif que ça en termes de prix Ben, nous, on a d'affaires. fait une très bonne C'est. affaire. Nous, on a fait une Ouais. très, très bonne affaire, effectivement. La banque a sauté dessus tout de suite parce que, vu le bien, ils savaient que si on arrêtait de payer au bout de 3 mois, eux, ils revendaient, ils faisaient un bénéfice de toute façon. Ouais, Donc, ça a d'accord. été facile pour l'acceptation du prêt à ce niveau-là. Et Ouais, aussi, pas. c'était vraiment. Excuse-moi, je t'ai coupé. C'était vraiment une aubaine, quoi. Déjà, Oui, oui, oui. en C'était plus vraiment avec une super affaire. ouais, la superficie du terrain, tu me dis l'accès à l'eau. Bon, c'est quand même des facteurs qui. Et le fait qu'on n'a pas de voisins collés aussi. Ça, Ouais, c'est bien. Les vis-à-vis. premiers voisins sont à 50 mètres, c'est papy et mamie. Donc, en plus, moi, je les adore, on se connaît très bien. Je vérifie qu'ils vont bien régulièrement quand même. Voilà, on est tombé dans un coin vraiment sympa. Oui, parce que le voisinage peut devenir un problème aussi. Enfin, je veux dire, Oui. quand on fait de l'élevage, le coq qui gueule tous les 4 matins, enfin, tout de suite, enfin, ça peut générer Oui. des tensions, quoi, hein. C'est vrai Oui. que ça, c'est un truc aussi à réfléchir. Il y a des choses qui vont être compliquées à faire quand on est encadré de voisins. Tout le monde n'a pas envie de supporter les volailles qui font leur foin et tout, quoi. Donc, il Ça, faut faire attention à ces choses-là, hein. C'est ouais. mais nous ici, les voisins, quasiment tous les voisins ont un poulailler. Oui. Et on a, bon, le maire de la commune, évidemment, fait construire beaucoup de lotissements, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est la loi du lotissement dans l'immobilier. Et donc, c'est vrai que moi, on a eu un terrain juste à côté de chez nous qui a été vendu. J'ai eu peur que ce soit racheté par un promoteur et pour faire de la maison en location. Là, je sais que j'aurais eu affaire à des gens qui n'auraient pas forcément été ouverts aux coqs qui braillent, à une oie qui arriverait prochainement, aux canards.
Et donc, j'ai fait le tour un peu des voisins et les voisins m'ont tous dit que s'il y avait le moindre souci, c'est eux qui se déplaceraient pour expliquer le nouveau venu comment on vit ici. Bon, ben, ça met l'ambiance. ils sont très protectionnistes de leur mode de vie ici, donc c'est vraiment génial, quoi. Et les seuls voisins qui n'avaient pas de poules, ben, finalement, à discuter avec moi, ben, ils ont des poules. T'as réussi à les convaincre alors. Je les ai convertis. D'accord. Ok, bon, bah nickel. Donc là, déjà, on sait pas mal de choses. C'est vachement intéressant. Là, du coup, ouais, donc on va repartir du coup sur tu sais, ce que tu possèdes. Donc tu nous as parlé de 2000 m2. J'aimerais bien que tu nous dises un peu comment tu as parcelé ton espace, les zones que tu as mis en élevage, les zones que tu as mis en potager, comment tu as réfléchi l'installation de tout ça autour de ton domicile, la logique en fait, parce que je sais que j'ai regardé un peu tes vidéos quand même, je sais que tu es quelqu'un qui me semble voilà, très organisé, très rigoureuse, donc j'aimerais bien que tu nous expliques voilà, comment tu as pensé tout ça. Alors, ben en fait, la première chose qui a été faite, c'est j'ai fait 2-3 carrés du potager, tu sais, voilà, des carrés un peu minables où ça poussait très mal la première année. Puis j'ai dit à Renaud, je voudrais une serre. Alors il m'a construit une serre, il l'a mise à l'endroit qui lui paraissait le mieux, donc au nord, côté nord du terrain. Et dans la continuité, donc j'ai fait, donc ça reste sur une bande qui est au nord de notre terrain. J'ai fait mon potager que j'ai clôturé. Mais ce potager n'avait pas pour but d'être un potager au final, mais d'être un verger. Et comme tu sais, on plante les arbres dans un verger, on les plante espacés de 5 à 8 mètres dans un sol. Là, dans du sable, ça aurait pas poussé. On a essayé, ça n'a pas fonctionné. Donc, je m'étais dit, je commence le potager côté nord. De cette façon, je plante ensuite mes arbres fruitiers dedans qui vont pousser beaucoup plus vite, qui vous donneront des fruits plus vite et grâce au sol qui est riche et meuble et arrosé régulièrement. Et quand les arbres sont trop grands, j'aurai juste à déplacer le potager juste devant et ça permettra donc d'avoir des arbres qui coupent le vent du nord par rapport à mon potager et d'avoir un verger déjà productif en quelques années. Et c'est le cas. En moyenne, mes arbres prennent 3 ans à donner des fruits. Donc, c'est plutôt efficace. Et le potager, je l'ai mis juste à côté, mais évidemment pour qu'il soit protégé par le verger. Et ça me permet d'y faire entrer les poules en hiver pour qu'elles puissent continuer à le fertiliser, gratter le sol, déparasiter aussi, puisque quand on laisse les parasites en place, ils vont nicher en profondeur et ensuite, la saison prochaine, ils reviennent. Les poules arrivent à faire un travail fantastique par rapport à ça. Et elles me nettoient aussi le verger, ce qui est très important pour les parasitages des arbres. Et donc, de fil en aiguille, j'ai ajouté après une mare au fond du jardin pour les canards, parce qu'on voulait pas la mettre trop près de la terrasse, au cas où il y ait des moustiques. Puis, en janvier, décembre ou janvier dernier, j'ai ajouté la serre au fond du terrain, ce qui me permet d'avoir donc une serre au fond. Sur le côté au nord, j'ai les arbres et j'ai la maison de l'autre côté en face. Donc, le potager est vraiment protégé des vents comme ça. Et ça évite d'avoir des soucis de vent trop violent. Et aussi, mon potager, gèle beaucoup moins depuis. D'accord. Et du coup, tu as combien à peu près d'arbres fruitiers? Tu en as planté combien pour ça, grosso modo, hein, sinon. Je dirais entre 10 et 15. Je dirais plutôt une quinzaine. Après, il y a les framboisiers, groseilliers, cassissiers, fraisiers, ce genre de choses. Les aromates, les tisanes, mélisses, verveines, voilà. Qui poussent ensemble. 15 arbres fruitiers, c'est déjà un joli petit verger. Hein. Une fois qu'il arrive à maturité, on est pas oui, mal quand même. Il y a moyen d'être bien, oui. Ouais, on parlait de l'accès à l'eau. Tu disais avoir des puits. Donc on sait que c'est vraiment enfin, la base quand on fait du potager, quand on va faire de la production, même pour les animaux. Hein. Oui, pour les animaux aussi. Les quantités d'eau sont énormes. C'est un truc qu'on ne doit absolument pas négliger. Toi, tu as la chance d'avoir un puits dans lequel tu peux puiser. Est-ce que tu fais de la récupération d'autres puits aussi ou non? Juste avec ma petite serre seulement et vraiment dans une sorte de poubelle de restaurant, tu sais, je dirais que c'est poubelle de 500 litres, quelque chose comme ça, c'est pas grand-chose, ou peut-être moins même d'ailleurs. Mais c'est juste pour rincer les abreuvoirs si j'en ai besoin ou les mangeoires, je m'en sers pas pour leur donner à boire parce que j'ai un peu peur, tu sais, des rats qui viendraient peut-être dans la gouttière uriner, hein. Et refiler la leptospirose à mes animaux parce qu'apparemment les volailles sont pas exemptes de cette maladie comme les chiens et les chats. Donc
Voilà, je n'utilise pas vraiment l'eau de pluie, non. Et en plus, ça dépend aussi de l'eau de pluie. Aujourd'hui, l'eau de pluie, elle est quand même plus très bonne. Quand on regarde, elle est acide, elle n'a pas un bon pH. Elle est acide, l'eau de pluie aujourd'hui, à cause de la pollution, évidemment. Et quand je vois que dans l'est de la France, mes beaux-parents sont d'à côté de Besançon, ils ont eu encore, il y a 4 ans, des pluies acides qui ont détruit leur potager, détruit complètement les légumes. Donc, quand on voit la qualité de l'eau, j'ai pas trop envie de la récupérer. C'est vrai qu'en passant par le terrain, peut-être que l'eau est déjà plus filtrée. Je sais que moi, je bois l'eau du puits, hein. Je bois l'eau du puits, sachant que je bois pas l'eau du robinet. Donc, l'eau du robinet me rend malade, mais je peux boire l'eau de mon puits, donc c'est qu'elle est bonne. Et donc, du coup, le domicile est raccordé à l'eau du puits Oui, tout à fait. L'ancien propriétaire était, je sais pas, peut-être un peu survivaliste. Il a donc branché le puits intérieur parce qu'on a 2 puits. J'ai un puits au milieu de mon potager qui me permet d'arroser le potager, le verger et de donner à boire aux volailles. Et j'ai un puits à l'intérieur de la maison. Celui-ci est équipé d'un filtre à sable et on a juste à fermer la vanne d'eau de ville, ouvrir la vanne d'eau du puits et voilà, ça fonctionne nickel. On a déjà eu des travaux sur le réseau qui nous empêchaient d'avoir de l'eau toute une journée. Voilà, on avait quand même de l'eau et ça c'est vraiment fantastique. Ah oui, c'est un très bon. Bah là justement, c'est un exemple très parlant finalement. Hein. Là, c'est vraiment de la prévoyance et du survivalisme. Hein. Là, on est complètement dedans. C'est-à-dire, on se prépare finalement. Enfin là, pour le coup, c'est se préparer. À un maximum d'autonomie. Ouais, oui, et puis là, un problème qui est vraiment pas une catastrophe, enfin un effondrement. Non. Quoi. C'est juste un problème de réseau, et on arrive à y pallier en ayant ce que tu as, un petit puits, une pompe, et puis en avant, quoi. Ouais, non, c'est du coup là, je pense que ça peut parler vraiment beaucoup à beaucoup de gens qui nous suivent là justement, d'avoir des petits systèmes comme ça en cas de panne de réseau, ce qui est fréquent, hein. C'est pas, oui, c'est pas dans le délire hollywoodien. Hein. Nous, on en a eu déjà 2 en 3 mois. 2 journées sans eau. Et oui, ça calme bien quand même. Oui, mais par contre, au niveau de l'eau du puits, ce que je veux dire, c'est pour les personnes qui risqueraient de commencer à forer un puits, n'en parlez surtout pas à votre fournisseur d'eau, parce que la loi en France nous oblige à installer un compteur sur les puits aujourd'hui. Et le compteur, en fait, bien sûr, vous n'allez pas payer l'eau que vous puisez, mais en fait, vous allez payer l'assainissement. L'assainissement de l'eau de votre puits, vous dites que vous arrosez votre potager, ça finit donc dans le sol, ça finit pas dans les canalisations, ils en ont rien à faire, ils vont facturer l'assainissement. Et donc, il faut à tout prix éviter que ça sache que vous avez un puits par rapport au service de l'eau, ça évitera qu'ils vous facturent ça, puisqu'on sait que l'assainissement, c'est ce qui coûte le plus cher au niveau de l'eau. C'est pas la distribution. Juste pour info, parce que on sait jamais. Si tu veux bien, on va continuer un peu sur le domicile, parce que bon, alors nous, notre chaîne, c'est l'autonomie, donc on traite vraiment, enfin c'est hyper large. Oui. Du coup, donc on a parlé de ton accès à l'eau. Est-ce que alors on peut peut-être parler de l'électricité. L'électricité, j'imagine que tu es sur le réseau hein, pour l'instant. Oui, je suis sur le réseau et on a aussi 10 panneaux solaires. Ah oui, d'accord. Donc, tu as quand même prévu ça. T'as quand même, Oui, Renault a installé des panneaux solaires l'année dernière. Donc, l'abri qui a permis de mettre les panneaux solaires, puisqu'on ne les a pas mis sur le toit, pour avoir la meilleure exposition possible. C'est exposé du matin jusqu'au soir, en fait. Donc, vraiment, en été, on a plus de 12 heures d'exposition. Et on en est arrivé à 2000 euros pour 3400 watts de panneaux solaires. Donc c'est vraiment pas cher puisque mon père avait fait installer à peu près la même chose il y a quelques années, ça lui avait coûté plus de 20 000 euros avec l'installation. Ouais. Bah, ce qui coûtait cher, le matériel était beaucoup plus cher avant, les panneaux photovoltaïques sont descendus en flèche et aujourd'hui c'est très accessible. Vive la Chine. Comment ? Ouais. Ouais, bon, évidemment, derrière, ça ne peut pas être tout. Tout bah, court, c'est toujours le chinois, de toute façon, derrière. et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Du coup, oui, donc les panneaux photovoltaïques sont beaucoup moins chers. Et puis, ce qui coûte aussi cher, c'est la manœuvre. Hein, Voilà, c'est ça. Pour l'installation, c'est très cher. Tout à fait. Donc après, si vous faites en autoconstruction, En faisant du bon travail, ça j'insiste, évidemment vous faites des économies qui sont géniales quoi. Nous on a calculé qu'au vu du rendement qu'on a eu jusque là, on devrait rembourser ces 2000 euros en moins de 2 ans. Ouais, donc c'est clair. Des économies qui ont une durée de vie de 20, 30 ans. La seule chose à changer c'est les batteries tous les 15 ans. Mais parce que c'est ce que je voulais savoir, tu as du stockage. On n'a pas de batterie pour stocker, mais en fait, il y a des boîtiers qu'on appelle, moi j'appelle des batteries, mais c'est les boîtiers qui permettent de relier en série tous les panneaux solaires.
D'accord. Donc, on les branche en série et ces petits boîtiers sont à changer régulièrement, tous les 15 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Mais nous, on a acheté les panneaux solaires en France sur Solar Discount, si je ne me trompe pas, le site. Et on a par contre acheté tous ces boîtiers et tout le câblage directement en Chine. D'accord, ok. Donc, on a fait baisser le prix grâce à ça. D'accord. Et du coup, alors, donc, vous n'avez pas de stockage, c'est-à-dire que vous réinjectez sur le réseau. Si vous avez une surproduction, vous réinjectez sur le réseau, ça se passe comment? En fait, EDF ne nous le rachètera pas parce qu'on ne leur a pas déclaré les panneaux solaires. D'accord. Ah oui, on n'a rien déclaré, on a tout fait, voilà. Ouais. Donc en fait, ce qui se passe, c'est… Si on produit plus, c'est perdu, mais de toute façon, vu qu'on n'a pas payé 15 ou 20 000 euros l'installation, ce n'est pas vraiment perdu au final. D'accord. Oui, en fait, le but, c'est quand il y a de la production photovoltaïque, au lieu de tirer sur le réseau et d'acheter cette énergie, on va taper dans ce qui est produit par les panneaux photovoltaïques et c'est là que se fait l'économie. Et rien que comme ça, tu nous dis donc que tu le rentabilises au-delà de 2 ans. Oui. Ouais, c'est déjà top. Hein. C'est déjà... Oui, en plus, nous, on a mis ça sur une face de la maison, donc ça nous alimente le studio de production, ça nous alimente la pompe du puits, la pompe de la piscine, les congélateurs, les machines, le séchage, la linge. Et par contre, c'est vrai qu'on n'a pas déclaré à Enedis parce qu'en fait, si on avait dû le faire, ils nous auraient installé Linky. Ah oui, aussi. On a aujourd'hui un compteur à disque. Ouais. Ce qui est un énorme avantage dans une maison aujourd'hui, un compteur à disque et pas un compteur Linky. Moi, je veux pas de Linky de toute façon. D'accord. Parce que là, à disque, là, c'est même, enfin, il y a eu à disque, après, il y a eu électronique et ensuite, Linky. Là, toi, c'est vraiment à disque. Le vieux machin d'époque, voilà. Le truc qui ralentit quand on met un aimant devant, des machins comme ça, quoi. Par contre, il faut savoir, quand on fait ça, j'ai vu sur Internet, il y a des gens qui ont mis l'aimant et qui ont ralenti leur compteur, mais une fois qu'on enlève l'aimant, le compteur tourne 10 fois plus vite. Ouais, et puis, de toute façon, ça, c'est des choses. Ça, c'est pas une bonne chose à faire. Et puis, c'est complètement interdit, vous risquez gros à faire ce genre de choses. Ouais, donc, on n'en fait pas du tout la promotion. On en parle non. Pour le désir, hein, parce que voilà. Non, mais l'avantage, c'est du compteur à disque, c'est qu'ils ne peuvent pas nous couper l'électricité à distance. Et poteau électrique qui alimente notre maison est dans notre jardin. Donc, voilà, ils sont un peu à notre merci, Enedis, malheureusement. Si on peut parler un petit peu donc on a parlé de l'eau, on a parlé de l'électricité, on va parler un peu du chauffage. J'aimerais bien savoir un petit peu ce qu'on fait. On se chauffe 100% au bois, à part pour le studio de Renaud, puisque c'est une pièce qui est à l'autre bout de la maison et qui est, il a dû construire une pièce dans la pièce pour avoir une isolation phonique parfaite et que rien ne tremble. Ce qui fait que on peut pas chauffer en amenant de la chaleur d'ailleurs, ça peut pas fonctionner. Donc là-bas, il a une clim réversible. Mais pour tout le reste de la maison, donc c'est la cuisine, le salon, salle de bain, les deux chambres, mon bureau, on chauffe 100% au bois et ça nous coûte en moyenne 260 euros par an. Avec un poêle à bois 14 kW et on a installé un gros brasseur d'air derrière en inox. Il tourne fond de balle et il envoie l'air dans toute la maison. Elle est bien faite. On a le salon qui est ouvert sur les autres pièces. Ça permet vraiment de ne pas mettre de chauffage. On n'a jamais allumé le chauffage à gaz ici. D'accord. Okay, donc, on a une cuve de gaz pleine on consomme que pour la cuisson et on a acheté une tonne cash quand on est arrivé il y a 7 ans et on a toujours la cuve est toujours aux 3/4 pleine. D'accord. Et donc, le bois, par contre, voilà, c'est quelque chose que vous achetez à l'extérieur. Ah oui, on n'a pas de forêt. Voilà. Vous n'avez pas de forêt, ouais. Non, mais oui. Bon, c'est pas tout le monde qui peut posséder un bois ou qui est dans une région aussi où il y a forcément des bois qui sont faits pour ça, quoi. Hein. Voilà. Vous achetez votre bois, le gaz, donc la cuisson en tout cas, tu me disais donc la faire avec le gaz, avec cette cuve là. Qu'est-ce qu'il y a encore de ça? J'imagine tout ce qui va être toilette. Vous êtes sur le réseau, le tout à l'égout. Oui. Fosse sceptique. Fosse sceptique, ok, d'accord, ça marche. Toilette sèche ou pas toilette sèche? Non. Toilette sèche pour l'instant, non, mais je compte en faire dans l'avenir parce qu'on a un sani broyeur. Ouais. Et sani broyeur, j'ai pas trop confiance. Je sens qu'un jour on va arriver, on n'aura plus de toilette. Alors, et sachant que s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de toilette. Donc, ça, c'est pas le top. Alors, je comptais installer des toilettes sèches dehors. Et puis, c'est dommage de perdre aussi ce compost. Ouais. Alors après, on en parlait justement avec Gwenaël de la chaîne Domaine de la Ferme de Biais. Donc lui, il est sur 5000 mètres carrés.
Il fait pas mal de choses aussi, il était intéressant. Et il en revenait un petit peu des toilettes sèches parce que donc lui il a un enfant et il expliquait, et des woofers aussi qui viennent régulièrement, et expliquait quand même que le volume créé était quand même difficile à gérer dans sa configuration en tout cas. Et donc il allait tenter l'expérience avec le lombricompostage. Donc bon, affaire à suivre. Je sais pas si tu connais, il y avait donc Nicolas, la chaîne Les Ateliers du Hameau, qui avait fait une vidéo. Bah tiens, si tu connais pas, c'est l'occasion, c'est une très très bonne chaîne. Et donc il a fait une vidéo assez complète sur le lombricompostage. C'est quelque chose auquel on peut s'intéresser, qui réduirait. J'ai des verres pour le lombricompost. J'ai un lombricompost que j'ai fait, un petit lombricompost, mais il faut que je l'agrandisse parce que les verres commencent à être un peu à l'étroit là. D'accord. Mais oui, ça fonctionne bien. Ouais. Et du coup, le toilette sèche, à part, enfin bon, après moi, je suis dans une configuration où j'ai beaucoup de terrain, donc le volume de déchets n'est pas du tout un problème. Mais en tout cas, voilà, comme je te dis, j'ai rencontré une personne pour qui c'était un problème. Donc en tout cas, si des fois ça venait un problème chez toi ou chez d'autres, il y a le lombricompostage qui peut être une solution annexe, quoi. Oui. Et la solution, enfin, ça reste la même chose. Hein. C'est-à-dire, on construit un cabanon, au lieu de, enfin, on met une caisse un peu plus large dans laquelle, ben, on met ses verres et ça va tourner normalement. Il y a pas de raison. Quoi. Donc, ok. C'est pas bête ça. Ben ouais, oui. C'est vrai que j'y avais pas pensé, hein. Donc c'est bien. Ah ouais, non, mais d'ailleurs, il faudra que tu viennes sur le réseau autonome. Là, il y a plein de gens qui ont plein d'idées. C'est trop bien. Enfin bref. C'est sur Discord. Ouais, c'est le réseau autonome, c'est un Discord, en fait, c'est une communauté finalement. Et donc il y a plein de gens qui ont plein de formations différentes. On a justement des gens comme Christophe 48 qui sera un invité qui gère énormément bien tout ce qui est l'aspect énergie photovoltaïque et tout. Puis on a plein des architectes, on a plein de gens qui font de la mécanique, qui font plein de trucs. Donc on se rejoint là-dessus, on s'entraide quand j'ai des soucis un peu avec mon élevage, bah j'envoie un petit message à la petite ortie, tu dois connaître la petite ortie dans la prairie. Donc voilà, on se donne des coups de main un petit peu comme ça, et le réseau autonome nous permet de nous rejoindre dessus. Voilà. Donc à l'occasion, si tu le désires, eh bien tu pourras nous rejoindre. Mais après, si tu peux m'inviter ou m'envoyer un lien. Ouais, parce que je ne sais pas du tout utiliser Discord. J'ai déjà essayé de faire des recherches. Au premier abord, c'est un peu le fouillis. C'est clair, hein. Moi au début je suis arrivé là-dedans, je dis c'est le foutoir pour rien. Puis après, une fois qu'on fait un peu son petit trou, sa petite place. Quand on s'habitue. Voilà, c'est ça. Moi je suis devenu une star en plus là-bas, donc tout va bien. je plaisante. excuse-moi. Du coup, ouais, on a fait le assainissement, tu m'as dit tout à l'égout. Mais bon, voilà, donc c'est ce qui est bien, c'est que. Enfin, ce qui est bien. Ce que je constate, c'est que tu prévois pas mal, quoi, de solutions annexes, je vais y arriver. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit côté un peu prévoyance, un peu peut-être pas survivaliste, mais il y a un petit côté comme ça chez toi, là, j'ai l'impression. Survivaliste, l'homme a toujours été survivaliste, sinon on serait pas là aujourd'hui. Hein. Oui. Pour moi, c'est ça. C'est vrai que quand on dit à quelqu'un « t'es survivaliste », je suis un être humain, je vis, je fais en sorte de me nourrir et de me protéger quand c'est nécessaire. Donc oui, comme tout être humain, le but, c'est de survivre. Non, mais c'est clair, mais en tout cas, c'est pas la culture majoritaire en ce moment. Non, c'est la culture de la médiocrité. Il y a la culture de la médiocrité, mais il y a aussi la culture, j'arrive pas à trouver le mot, mais la culture de on se laisse dorloter un petit peu, quoi. On se laisse vivre, mais grâce au confort et à la consommation actuelle qui est possible. Oui, c'est ça, on se laisse vivre, et puis surtout, c'est la société, enfin, j'aime pas dire des mots comme ça, parce que c'est un peu blabla, mais c'est la société qui nous prend en charge. C'est pas nous qui prenons en charge nos vies, c'est la société qui prend en charge nos vies. Et donc, certains en sont satisfaits, et d'autres, comme moi, ou peut-être toi, en sont un petit peu moins satisfaits. ça, c'est sûr. En tout cas, je pense que la plupart des gens qui sont sur le chat, qui suivent nos chaînes, sont des gens qui sont un petit peu insatisfaits et qui ont envie d'avoir un petit peu plus de liberté, je pense. Oui, c'est ça, la liberté. Voilà. C'est exactement ce que ça apporte, la liberté. Voilà. Même si
Les gens qui comprennent pas ce qu'on fait nous disent qu'on est en fait esclave de ce qu'on fait. Pour eux, on est esclave parce qu'il faut se lever tous les matins et tous les soirs, il faut coucher les animaux et il faut arroser le jardin à chaque fois qu'il fait chaud. Et pour eux, on est esclave, mais en fait, ils se rendent pas compte que c'est un mode de vie qui nous permet d'avoir de la liberté, justement. C'est ça, mais en fait, voilà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est esclave de nos propres choix. Et ça, ça change tout. Et tout ce qu'on fait, c'est pour nous, juste pour nous. C'est pas pour quelqu'un d'autre. On se lève pas le matin pour quelqu'un d'autre. On se lève le matin pour nous. Et ça, ça fait toute la différence. En termes de motivation. Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. En tout cas, moi, j'ai vraiment repris goût, entre guillemets, c'est un peu bête ce que je dis, c'est du blabla, hein, mais j'ai repris goût à la vie depuis que je la vis selon mes propres codes, mes propres choix. Et j'ai l'impression que la plupart des invités que j'ai finalement sont très heureux parce qu'ils ont fait ces choix-là, enfin, ils ont fait le choix de choisir finalement. Quoi. Bah, oui, c'est ça, c'est vrai. Mais moi aussi, moi j'avais des gros soucis d'angoisse, de gestion de mes nerfs avant de faire ça en fait. Et d'ailleurs, c'est clairement les poules qui m'ont sauvé. C'est ça, faut que tu mettes ça en bannière. Les poules m'ont sauvé. C'est ça. C'est vrai, ça pourrait être mon slogan. Je vais me faire un t-shirt. Les poules m'ont sauvé. Là, c'est bon. Tu as les produits dérivés, tout ça. Attention de pas passer du côté obscur de la force quand même. Du coup, je vais me rattacher un petit peu à notre petit plan qu'on s'était dit, parce qu'on a pas mal parlé, on a vu un peu ton logement, on a vu toutes les énergies, tout ça. Si on peut partir, parce que ça intéresse pas mal les gens adorent le potager, l'élevage. Moi, j'aime beaucoup le bricolage, mais moi, c'est moi. Il y avait une personne qui posait la question de savoir un petit peu ce que tu avais planté. Ça m'intéresse aussi ce que tu avais planté comme arbre fruitier et comme arbre, enfin tout ce qui va être petit fruit. Est-ce que tu peux faire une petite synthèse là-dessus, s'il te plaît? Cerisier, poirier, figuier, prunier, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais j'ai planté deux de chaque déjà et qu'est-ce que j'ai planté d'autre? Il y a des pommiers, oui, bien sûr, pommiers évidemment. C'est comme ça que je réfléchisse. Noisetiers aussi, oui, des noisetiers, j'ai planté. Parce que j'adore les noisettes et que ça se conserve très bien, c'est l'avantage. Donc au moins, on peut les garder pendant longtemps. Et après, on a les framboisiers, fraisiers, groseilliers, cassissiers. Là, j'espère pouvoir planter des myrtilliers. Apparemment, ça nécessite une terre avec un pH plus acide, si j'ai bien compris. C'est ça. Ouais, c'est donc, ça. Je l'ai dit récemment, donc je peux fanfaronner et dire que je sais. C'est bien. Moi, tu me confirmes ce que je pensais. Donc là, il va falloir une petite préparation du sol en amont, je pense, avant de pouvoir faire ça. Mais c'est vrai qu'en termes de place, par contre, je vais être un peu limitée parce que le verger, lui, il fait que 100 à 120 mètres carrés. C'est pas très grand. Donc je vais quand même être obligée de conserver les arbres assez bas. Pour pas qu'ils deviennent trop grands et qu'ils se répandent trop. Mais d'un autre côté, c'est vrai que l'avantage, je l'ai gardé assez bas, c'est que j'aurais pas besoin de monter à une échelle à 3 mètres de haut et risquer de me tuer pour aller récolter, quoi. Et sinon, voilà, c'est tout pour l'instant. D'accord. Et du coup, on va embrayer un peu plus sur l'élevage. Est-ce que tu peux nous dire les espèces que tu élèves et un peu leur nombre? Alors, en poule, j'ai des counus. Enfin, j'ai une counue. J'en ai une qui est décédée il y a un mois et demi de ça, je crois. Donc, counus, arcos. Donc, j'ai deux arcos. C'est les poules championnes de la ponte, là, les petites poules noires avec le mauvais caractère. Sussex, de la poule Sussex. Alors, c'est des poules qui sont vraiment géniales, je trouve, parce que, bon, à la fois, elles sont bien pour la ponte et la chair. Mais en plus, elles ont un caractère vraiment sympathique. Et puis, elles sont très belles et elles sont douces. Et elles ont tendance à pas s'en prendre aux autres. J'ai de la poule Araucana qui m'a été offerte par un ami qui était spécialisé dans l'élevage d'Araucana. Donc, mon coq est un coq Araucana. Donc, je suis très satisfaite parce qu'il est vraiment d'une douceur et d'une gentillesse sans égale avec les poules. J'ai de la poule coupée Araucana, poule rousse. Enfin, c'est du coupé porté-fenêtre un petit peu que j'ai fait naître. On a les poussins de chair, là, comme tu as dû voir. Donc, les poussins de chair viennent d'un couvoir, c'est de la race industrielle, hein. C'est ce qu'on appelle de la souche indus. C'est du poulet de chair blanche, ceux qui sont faits pour être abattus à 8 semaines, au lieu de 16 pour des counus, par exemple, et qui prennent plus de blanc que de cuisse et dont la chair est plus tendre puisqu'ils sont abattus plus jeunes. Donc là, j'ai 32 poussins. On a aussi
7 canards en ce moment. Donc, on a une canne Colvert, les canards sauvages, une canne de Rouen, en Rouen clair exactement, parce qu'il y a la Rouen clair et la Rouen foncé, et du Pékin américain. Et on Pékin américain, c'est les canards tout blancs. Voilà, les vrais Donald Duck. C'était mon premier canard d'ailleurs. Le but, c'était d'avoir un Donald Duck. Hein. C'est pour ça que j'ai appelé Donald. J'ai, voilà, quand je l'ai pris, Renaud m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec un canard? Ça sert à rien, un canard. Et j'ai ramené, et finalement, il l'aime encore plus que moi. Et puis c'est bon, le canard. Moi, j'adore ça. Moi. Oui. Ça, c'est super bon, les magrets de canard et tout. C'est bah alors, on en a deux qu'on va manger. Je vais les préparer dès que ma cuisine extérieure, j'aurai enlevé les poussins. Je l'ai préparé, je suis pressée de goûter le confit maison. Tu m'étonnes. Donc, ouais, pas mal de volailles. Vas-y, je te laisse continuer. Hein. Excuse-moi. Mais... et puis c'est tout en fait. On a 7 canards et donc on a des canards qui sont coupés Rouen, Pékin américain, puisque c'est ma canne. Ma canne est une Rouen, mon canard est un Pékin. Donc ce que j'ai en petit, c'est du coupé quoi. Mais ça donne du très bon canard de chair puisque les deux sont vraiment spécifiquement faits pour la chair. Donc beaucoup de volailles finalement, enfin, pratiquement exclusivement de la volaille en fait que tu élèves, c'est ça? Oui. Et j'aimerais à partir de l'automne ou l'hiver prendre deux cochons. Ah, tu veux tenter les cochons? Oui, parce que j'ai pas mal de choses à passer que les cochons mangeraient et en plus, je me sens bien d'élever des cochons quelque temps et ensuite de les préparer. Et je me dis qu'il est temps de passer à quelque chose d'un peu plus conséquent, d'un animal, et puis sortir de ma zone de confort, parce que ça y est, je suis dans ma zone de confort en termes de volaille. Ouais. Les cochons, ça me fait peur, à la fois en termes d'élevage, à la fois en termes d'abattage, comment les tuer, comment les préparer, tout ça, ça me fait peur. Alors du coup, j'ai envie de le faire. D'accord, mais ça, c'est j'aime beaucoup cette mentalité-là. C'est... Ça, ça me va très bien. Non, mais c'est vrai, il faut continuellement repousser ses limites. Et toujours vouloir plus. C'est comme ça à la fin qu'on arrive à une autonomie aboutie. Oui. On peut pas se contenter. Voilà, j'ai 4 poules, je fais 3 œufs, ça y est, je suis autonome, c'est bon, j'arrête. Non, on n'a pas un niveau là, on n'a rien du tout là. Même pour être autonome, enfin moi, de mon point de vue, pour être autonome, il me faudrait 4 hectares de terre, 2 vaches, 1 taureau. Là déjà, j'obtiendrais plus d'autonomie puisque comme on consomme du bœuf, on consomme beaucoup de lait. Je fais du beurre, je fais de la crème fermentée. Si j'avais des vaches, je pourrais produire tout ça moi-même. Et là, on pourrait parler déjà un peu plus d'autonomie. Clairement, aujourd'hui, je suis pas autonome. Et d'ailleurs, oui. Je sais pas si aujourd'hui on peut être autonome, parce qu'à moins d'avoir des champs de céréales, moulin. C'est l'autonomie complète, de toute façon. Oui, parce qu'on nous vend ça sur Internet, hein, sur YouTube, le 100% c'est... autonome, et c'est un mythe aujourd'hui. C'est un mot, en fait, qui nous rassemble. Mais effectivement, l'autonomie complète, de toute façon, elle est compliquée. Déjà, une certaine résilience alimentaire, déjà, c'est très bien. Après, vraiment pousser la chose très loin, ça veut dire s'organiser en communauté. Les aspirations. Et puis pour travailler sur vraiment des hectares et des hectares de terre. Et là, c'est même plus... c'est vraiment recréer de la société, quoi. Et donc, c'est une autre dimension, quoi. Ça n'a plus rien à voir. Mais déjà, je pense que déjà... travailler sur la résilience en fait de son logement, travailler sur la résilience de son alimentation, c'est des choses qui sont hyper importantes. Et là, je parle souvent, on l'a évoqué un petit peu, mais le coût de la vie, pouvoir d'achat, tu vois, tout ça fait que c'est de plus en plus difficile en fait pour les ménages. Donc déjà de trouver des solutions. Et ça va l'être de plus en plus, ça peut pas aller vers le mieux là aujourd'hui. Hein. Exactement. Donc de trouver des solutions comme tu le fais, c'est se tirer un peu le cul des onces, quoi. C'est se sécuriser un petit peu et pouvoir, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'argent vraiment pour des choses qu'on est incapable de faire, incapable de produire, et tout le reste on le fait. Et comme ça, on arrive financièrement à s'en sortir et à avoir un niveau de vie et une qualité de vie qui est correcte, quoi. Plutôt confortable. Effectivement, on peut s'inquiéter pour ceux qui n'ont pas ces angoisses, ces aspirations, parce que peut-être que ça va être plus compliqué pour eux. C'est sûr, oui, vivant en appartement en plein centre-ville, il suffit qu'il se passe quoi que ce soit. En centre-ville, par exemple, les gens ne se rendent pas forcément compte, mais il suffit qu'il y ait une crève des transports routiers pendant 3 jours, ils vont mourir de faim. Les supermarchés sont vides, ils ont à peu près 3 jours de stock dans toutes les villes de France, pas plus de 3 jours alimentaires pour la population. Et sachant que
au moindre souci, les gens vont se jeter sur les magasins. Enfin, on connaît, on sait comment ça se passe. Hein. Les gens, quand ils ont peur, ils paniquent et puis ça finit très mal. Donc, on l'a vu en plus avec le Covid, justement. Ça nous, le Covid a quand même apporté beaucoup de choses ces derniers temps et une clarté, une réalité que des gens n'envisageaient pas du tout. Oui, mais malheureusement. C'est pas malheureusement, mais ça, les gens vont dire, mais il est complètement psychopathe. Mais ça n'a été qu'un aperçu. Alors, moi, ce que je crains, c'est que ça a été un aperçu, si tu veux, et que. Comme les choses sont revenues à la normale, les gens vont se conforter dans le fait que ça ira toujours mieux et que la société, dont ça. L'État, sera toujours là pour nous soutenir. Et voilà, pour l'instant, moi, ce que j'en ressors, c'est finalement, ça va. Tu vois. Alors, Ça va. Alors que le contre-coup va arriver. Mais finalement, les gens se disent. Oh, ben ça va, c'est en train de reprendre. Les magasins ouvrent, je peux acheter, voilà. Donc tout va bien. Ouais, alors que ça aurait pu être plus grave et c'est plutôt ça qu'il faut se dire. C'est-à-dire qu'on est, enfin, je veux dire, là, ce qu'il faut en tirer, c'est se dire, heureusement que ça n'a pas été plus grave parce que ça aurait été vraiment chaud. Plutôt que se dire, oh, bon, bah, finalement, ça s'est bien passé, la situation a été gérée alors que c'était grave. Alors, non, justement, c'était, je sais pas comment expliquer, mais bon. Après, on a quand même un bon côté, très bon côté de ce qui s'est passé avec le Covid. Je parle pas, bien sûr, des victimes, des gens qui en ont souffert. Bien sûr, je laisse tout ça de côté, mais juste les personnes, j'ai vu des potagers pousser partout. Oui. Parce que les gens avec le confinement déjà s'ennuyaient, donc voilà, ils ont planté des légumes, mais aussi parce qu'ils ont commencé à se dire qu'il fallait peut-être qu'ils apprennent ces compétences-là et être un peu plus prévoyants. Et c'est vrai qu'on le voit même sur Internet, toutes les chaînes YouTube sur le jardinage, sur l'élevage ont quand même pris beaucoup plus d'abonnés et la communauté s'est agrandie. Oui, complètement, c'est... oui. Et donc, ça c'est bien, et moi ça me donne de l'espoir un petit peu. Oui, ben non, mais c'est certain. À nous de l'encourager, à nous de rendre tout ça sérieux et concret aussi. Ça c'est très important aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça fasse un coup d'épée dans l'eau, un gros flop. Justement, il faut l'entretenir, il faut le rendre beaucoup plus réaliste, beaucoup plus concret, prendre de l'espace en fait dans l'espace public, hein, et puis aller vers ça. Enfin, moi c'est en tout cas ce que je veux. Ce serait bien. Ah, je vois quelqu'un nous dit que le rat est comestible. Je confirme, oui, j'ai mangé du rat. Pendant 2 ans, j'ai pu manger du rat et je peux vous dire que oui, ça se mange. Les poules m'ont sauvé, j'ai mangé du rat. Ah putain de merde. Pourquoi t'as bouffé du rat? Qu'est-ce qui t'a pris? Je vivais au Vietnam et moi, quand je voyais écrit « beau », ça veut dire bœuf normalement. Alors je pensais que c'était du bœuf, mais ce que appellent bœuf en fait dans les petits bouis-bouis de bord de route, c'est du rat. Parce que les rats, ils sont comme ça gros. C'est des trucs. Mais je peux même pas te montrer à l'écran. C'est des monstres là-bas. Et donc il y a à bouffer sur les rats au Vietnam. Alors j'ai su au bout de quelques mois qu'en fait cette viande filandreuse un peu dure et plus bouchue que le bœuf, un peu plus forte en goût, c'était du rat. D'accord, du coup, c'est pas dégueulasse, quoi. Ça se mange bien, quoi. Bah, ça se mange, oui, ça se mange, mais si on me l'avait dit, je pense que je l'aurais pas mangé, alors je suis contente qu'on me l'ait pas dit, au final. Du coup, moi, j'avais envie de parler un petit peu, j'avais marqué les compétences que tu trouves nécessaires dans un projet en fait d'autonomie, tout ça. J'aimerais savoir, en fait, pour toi, le profil. Le profil qu'il faut développer, les compétences qu'il faudrait avoir pour prétendre à céder, enfin pas pour prétendre, mais pour aller dans cette démarche. Pour essayer d'accéder à un peu plus d'autonomie et vivre de cette façon, tu veux dire, cette façon de vivre qu'on essaie d'avoir. J'aimerais que tu nous dresses un peu le portrait, selon toi, de l'autonomiste, ou on va dire l'autonomiste, parce qu'il faut bien choisir un mot, mais le portrait type. Alors il y a les compétences, moi je vais y venir. Mais il y a aussi le mental, hein, évidemment, parce que on peut bien sûr être capable de jardiner, de cultiver tous ces légumes, d'élever ces animaux, mais si mentalement on n'est pas prêt déjà à rester à 100% chez soi, à ne pas répondre présent aux anniversaires, aux mariages et autres, déjà c'est foutu, quoi. Clairement, on est obligé d'être chez soi, donc il faut mentalement se préparer à ça. Et pour les compétences, évidemment, cultiver ces légumes et élever ces bêtes, mais ça. Faut pas attendre d'avoir, je pense, les compétences pour commencer à le faire. Les compétences, elles viennent en faisant, de toute façon. Et il y a que en faisant soi-même qu'on apprend vraiment, parce qu'on n'apprend pas forcément de ses réussites. Vu que c'est tellement facile, on réussit du premier coup, mais beaucoup plus de ses échecs. Faut pas avoir peur de l'échec. Il y aura de l'échec, mais faut choisir d'aller vers l'échec. Parce que c'est ça qui nous apprend vraiment. Moi, j'ai tous les souvenirs de mes échecs
au moins je les garde en mémoire. Ça a été des galères et je sais pourquoi j'ai ces compétences-là aujourd'hui, c'est grâce à mes échecs. Ensuite, il y a une chose que on a tendance à laisser de côté, j'ai remarqué dans l'autonomie, et c'est dommage, c'est l'autonomie en termes de santé. Parce que on peut produire sa nourriture, on peut avoir de l'eau à volonté, qu'on sait filtrer, qu'on pour avoir de l'eau potable, etc. Si on n'est pas capable de prendre soin de sa santé, de toute façon, il y a toujours une part, c'est un pilier de la vie, la santé. Donc, il y a ça à prendre en considération et c'est très important. Et à différents niveaux, donc on va dire pour soigner les maux du quotidien, naturellement si possible, bien évidemment, parce que nous-mêmes, on peut pas se procurer des médicaments et autres, voilà, c'est pas forcément évident. Donc la santé, c'est très important d'apprendre les bases pour soigner les maux du quotidien, mais aussi pour soigner plus de choses. Et d'ailleurs, là-dessus, j'ai pris un bouquin que j'ai mis de côté, là, pour vous montrer. S'il y a un bouquin à avoir, c'est celui-là. Mmh. Oui, c'est je sais pas si tu le connais. Tu le connais ? Alors, voilà. Je le possède pas, mais c'est une référence, effectivement. Voilà. Alors, il est écrit qu'en anglais parce qu'il a été écrit par un médecin américain qui l'a destiné aux populations d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Mais c'est un anglais, sans vouloir être raciste, c'est du petit nègre. Je dis ça parce qu'on est en 2021, ça pourrait être mal compris. Voilà. Donc, c'est accessible à même des gens qui parlent pas anglais, en fait. C'est vraiment extrêmement simple et c'est très complet et, c'est vraiment le bouquin à avoir, quoi. Après, il y a aussi en autonomie la partie protection. Oui. Qu'on laisse un peu de côté. La défense du domicile, la protection, c'est aussi important. À la fois contre les prédateurs à quatre pattes, mais aussi les prédateurs à deux pattes. Parce que aujourd'hui, il y a plus de cela que des prédateurs à quatre pattes. Donc, la santé et la protection, c'est vrai qu'on laisse un peu de côté. On parle de l'eau, on parle de l'énergie, on parle de la nourriture, mais on a tendance à pas trop parler de ça, j'ai l'impression. Oui, peut-être qu'en France, c'est pas trop sur YouTube. Oui, disons que la partie défense, protection, c'est des choses qui sont très connotées, qui sont en France. En France, on a une culture anti-armes déjà. Et exactement, qui fait que on parle très peu de ces sujets-là. Et pour la santé, c'est peut-être comment dire. Enfin, en tout cas, mon point de vue, ça me semble être très technique et assez peu accessible. Ça, c'est mon point de vue, hein. C'est juste personnel. Et on avait fait un live justement avec la petite Ortie qui est dans le domaine de la santé. Elle est dentiste. Et on avait fait justement un live qui était santé et hygiène de vie. Et donc, en gros, dans ce live, on parlait de plein de choses, mais on expliquait d'abord que finalement, la première chose à faire. C'est la prévention. C'est la prévention, exactement. Voilà. Finalement, se nourrir, bien vivre. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va pas devenir chirurgien du jour au lendemain. Il y a plein de choses qu'on peut faire de manière autodidacte. Celui d'être médecin, chirurgien ou des choses comme ça, c'est hors de portée. Ça le sera toujours. En tout cas, pour des métiers techniques, très poussés. Oui, c'est sûr qu'on va pas greffer un cœur, quoi. Non, là, faut pas espérer. Mais par contre, on peut très bien se former pour savoir faire une suture. Parce que moi, je me forme à faire. Par exemple, j'ai acheté des kits, je m'entraîne. J'ai des kits de suture, j'ai des scalpels, j'ai déjà ce genre de choses. Parce que, sans parler de, on n'a pas de système de santé prêt à nous accueillir, à prendre soin de nous. Si ça arrivait, sans parler de ça, même avec le système de santé actuel, suffit de se retrouver dans une randonnée à 6 heures de route de la première civilisation et sans réseau téléphonique. Et c'est bien de savoir faire quand même quelques trucs en cas de blessure. C'est important. Et il y a certaines choses qui sont basiques et que en fait beaucoup de gens ne savent pas faire aujourd'hui parce que on a un médecin qui est juste à côté, on a l'hôpital et c'est toujours mieux d'aller voir les médecins et les hôpitaux, mais c'est bien aussi de connaître un peu et ça permet aussi de prendre des décisions par rapport à sa santé sans avoir à écouter aveuglément les médecins aussi. Oui, bien sûr, mais je suis d'accord avec ça, le fait qu'il y a quand même des petites choses de base à savoir faire. La plupart des gens, des survivalistes, préconisent les formations premier secours et choses comme ça. Déjà, s'intéresser à ce genre de choses, à connaître le comportement à adopter justement quand il y a un accident, toutes ces choses-là. Alors, je le dis, je suis un très mauvais élève parce que ça fait longtemps que ma formation est derrière moi, mais c'est vrai que de les refaire, de se remettre un petit peu là-dedans, prévenir, secourir, je sais plus quoi là, enfin tout ça. Non mais c'est con. Oui, mais ça ferait pas de mal. Ça ferait pas de mal, c'est clair.
Et du coup, donc, tu nous as expliqué, donc déjà tu travaillais un petit peu sur ces sujets-là, donc la santé, sur les sujets de la santé. Et tu nous disais aussi, alors il n'y a pas de tabou hein, sur notre chaîne, nous on peut parler de tout, il n'y a pas de problème. Donc tu travailles aussi sur la protection, la défense du domicile. C'est bien. Oui. D'accord. Tu veux en parler un peu ou oui, pas de problème. Non, mais moi là-dessus, je suis pas. Moi, je suis pas anti-armes, je suis pas pro-armes. Moi, Renaud est tireur sportif, donc il est armé. Maintenant, c'est pas parce qu'on est armé en France qu'on a le droit d'utiliser les armes, même si quelqu'un nous tire dessus. On le sait, les lois ne sont pas dans ce sens-là. Donc, je tiens à le préciser, hein, parce que c'est. Je dis pas aux gens qu'on a le droit de tirer sur quelqu'un, pas du tout. Hein. On n'est pas au Texas, c'est pas parce que quelqu'un a entré dans une propriété qu'on a le droit de tirer, hein, loin de là. Mais en tout cas, aujourd'hui, avec l'insécurité, clairement, et aussi dans les campagnes, parce qu'on parle de l'insécurité en ville, mais enfin, nous, autour de chez nous, il y a eu 40 cambriolages en 5 mois. Vous subissez, vous, l'insécurité? Ah oui, oui. Et j'ai même des gens qui viennent pour faire du repérage et qui essaient en fait de me vendre un service type me tondre la pelouse ou quoi. Et ces gens-là insistent. Et la dernière fois, je me suis même retrouvée à devoir menacer la personne. Et je lui ai dit que si elle revenait, on devrait régler ça à coup de fusil à pompe. Parce qu'il voulait carrément entrer et il n'avait pas vu Renaud. Renaud était en train de dormir. Donc, il a fallu que je gère ça moi-même. Il s'est dit « Oh, une femme faible, ça va être facile ». Et les chiens étaient à l'intérieur en plus, donc il n'y avait pas le patou qui est dissuasif aussi. Donc ça s'est fini comme ça, quoi. Alors ici, faut se méfier. En campagne, on se méfie de plus en plus. Les voisins se méfient. J'ai papy et mamie, comme je disais tout à l'heure, à côté, qui sont visités régulièrement la nuit. Ouais, et se sentir dans l'insécurité dans son logement, chez soi, on a payé notre maison, on est chez nous, c'est pas normal. Et moi, clairement, quelqu'un entre dans la maison en pleine nuit, je suis en train de dormir. Je vais pas hésiter une demi-seconde à charger le fusil. Maintenant, il a le choix. Il a le droit de partir. Je lui laisse le choix. Maintenant, s'il a pas envie de partir, bah, il repartira peut-être jamais. C'est quand même fou ce que tu dis. Alors, fou dans le sens où, où on en arrive à des raisonnements comme celui-là. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y a, enfin, là, ce que tu me dis. Pourtant, tu nous disais que tu étais périphérie de Bordeaux. J'ai bien compris. À 40 km au nord de Bordeaux. Donc, c'est pas collé à Bordeaux. Hein. C'est pas censé être un. Enfin, c'est pas non. Des lieux qui sont connus pour leur délinquance. Et, enfin, en tout cas, moi, j'ai pas connaissance de ce genre d'infos. Mais, ouais, ce que tu nous dis, c'est que même dans une région où on n'aurait pas cru, l'insécurité est là, la délinquance semble. Et elle est grandissante. Et tu nous expliques que toi, tu ressens le besoin. Eh bien, d'assurer ta sécurité tout seul, ce qui est assez incroyable quand même. Et puis, je dois dire que savoir utiliser une arme, c'est quelque chose qui me plaît. Aller au stand de tir et tirer, pour moi, c'est de la détente. C'est quelque chose qui est de la détente. Ça permet de se vider complètement la tête parce qu'on pense pas à autre chose quand on a une arme chargée entre les mains. Il y a des personnes autour. Une arme chargée, c'est mortel. On peut tuer quelqu'un. On fait toujours très attention. Et ça permet de se vider la tête. Et puis, c'est une compétence comme une autre qui est intéressante. Et moi, j'aime beaucoup les armes. Après, c'est pas pour autant que je dis aux gens qu'ils doivent être armés. Je suis pas, pour moi, je suis pro-arme. Pour les autres, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. D'accord. Ouais, non, mais c'est intéressant. J'apprécie beaucoup cette position et puis j'apprécie aussi le courage que tu as de la tenir parce que c'est quelque chose, comme on a dit, hein, c'est quelque chose qui est tabou. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Qui est tabou. Oui, en France, parce qu'on a une culture anti-armes dès la naissance. Et là, moi, ce que je trouve problématique, c'est qu'on continue finalement d'avoir cette culture alors qu'il semblerait. Qu'elle devienne de plus en plus nécessaire au vu de la sécurité qui n'est plus correctement assurée. C'est un très gros problème. Mais le raisonnement de base, quand tu discutes avec quelqu'un qui est anti-armes, il te dira oui, mais si les gens sont armés, ils vont t'attaquer et tu vas te faire attaquer par quelqu'un d'armé. Mais sauf que dans la réalité, on n'a jamais vu ou quasiment jamais quelqu'un qui a une arme déclarée, qui détient en toute légalité, aller agresser des gens avec son arme. Ça vient toujours d'armes illégales qui passent par des réseaux obscurs. Donc, c'est pas parce que toi tu es armé qu'il va. Si tout le monde était armé, on ne serait pas plus dans l'insécurité, au contraire. Parce que si à tout moment la personne elle se dit si je pénètre chez quelqu'un je peux me retrouver face à un fusil à pompe chargé ou un AR-15, elle va pas le faire évidemment. Ouais, c'est sûr.
mais je suis d'accord avec ça. Et puis, on en a eu parlé avec Léandre de Permaculture Paysanne. Alors lui, il est au Québec, donc proche États-Unis. Donc, la culture des armes est différente, mais il tenait finalement le même discours, la même idée finalement, quoi. Oui. Et moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Je suis même très d'accord avec ça. ce qu'on va faire, alors. Je sais, mes amis dans le chat, mes petits lapins, que ça fait déjà 1h09 et que normalement, à 1h... Mais... On répond aux questions. Voilà, c'est comme ça que ça se passe théoriquement. D'accord. Donc, du coup, on va faire un petit échange. Donc, on va rendre l'échange plus interactif avec vous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Vous les posez de préférence en majuscule, de manière à ce qu'elles soient bien visibles pour nous. Et n'hésitez pas à les spammer, parce que des fois... Là, je tiens à préciser quelque chose, parce que des presque 18 000 morts aux US en 2021, dû à des armes à feu, j'imagine, puisque c'était le sujet. Il faut savoir que la question, c'est pas le nombre de morts à l'année sur le territoire, c'est où se situent ces morts. Majoritairement dans le Michigan, dans l'État de New York et dans la Californie, qui sont des États anti-armes, où on n'a pas le droit d'avoir des armes. Et donc, c'est bien pour ça qu'il y a des morts par armes à feu, parce que, comme on dit, dans un État où les armes sont illégales, seuls les illégaux seront armés. Regardez le taux d'homicide par arme à feu au Texas, qui est l'État le plus free en termes d'armes. Regardez, c'est l'État où il y a le moins d'homicides par arme à feu. Donc, on revient encore à ce qu'on disait. Oui, et puis il y a des exemples de pays qui gèrent très bien en fait, la possession d'armes à feu. La Suisse en est un exemple des plus parfaits. Voilà. Eric qui nous disait ça. Il nous disait donc la meilleure protection, c'est un pays avec des juges et des prisons. Et je suis totalement d'accord avec ça. C'est-à-dire que si les choses étaient bien faites, s'il y avait de l'argent qui était mis dans la sécurité, dans tout l'appareil de justice, on va dire. Si les peines étaient appliquées, déjà. C'est ça. Donc il y a déjà un problème de base en fait qui nous amène finalement à ces réflexions-là. Et c'est clair que régler le problème à la racine, c'est déjà commencer par ça. Ça, c'est sûr. Mais déjà quand on sait qu'on va pas ressortir au bout d'une heure après avoir braqué quelqu'un dans la rue, bon bah qu'on va prendre 6 mois de ferme de prison plus 6 mois de bracelet électronique, déjà ça calme. Non, c'est sûr. Hop, ben voilà, tiens, ça c'est pas mal comme question. Combien de temps est-ce que ça fait que tu as démarré ton terrain, sur ton terrain ? Alors, on est là depuis 7 ans, donc je dirais que ça fait réellement 5 ans. Parce qu'avant ça, c'était du hobby, quoi. D'accord. Du hobby, et j'entends, c'était pas fonctionnel. Et donc, 5 ans, donc tu es arrivé sur place, il n'y avait rien de... Il y avait la piscine, et ensuite il y avait de l'herbe et le grand sapin au fond du jardin, rien d'autre. Pas un arbre, rien. Ok, d'accord. Hop, allez, on va repartir en bas. Excusez-moi, toujours un peu pénible. Alors on en a parlé un petit peu, mais c'est pas grave. Chauffage au bois, poêle, chaudière. Ouais, alors ici, on n'en a pas parlé. Par contre, la consommation que tu fais de bois, tu nous as parlé du prix. Je consomme entre 4 et 5 stères par an. Et là, cette année, c'est bien la première fois qu'on avait du bois qui était extrêmement sec, qu'on a stocké depuis 2 ans, en fait. D'habitude, j'achetais le bois en octobre et puis voilà, je commençais le feu en novembre. Mais quand je vous dis que nous, on se chauffe pour 4 à 5 stères, on est en Gironde, il fait chaud. Et notre maison est parfaitement bien exposée. Le matin, on a le soleil qui chauffe le salon et l'après-midi qui chauffe de l'autre côté, partie véranda. Et la véranda, en fait... la véranda chauffe aussi ma cuisine et ma chambre et la salle de bain. Donc en fait, avec tout ça, moi je mets le feu en route. En fait, cet hiver, je chauffais quasiment pas et je suis pas frileuse. À 14,5, Renaud, il me disait fais du feu parce que la maison a froid. Bah oui, et c'est le boxeur qui nous, mon boxeur, il a froid l'hiver, alors on fait du feu pour lui, mais nous on n'est pas frileux. Oui, nous on n'est pas frileux, on a pris cette habitude au fur et à mesure des années. Avant on utilisait 7 à 8 stères au début quand on est arrivé, et on a vraiment réduit quasiment de moitié notre consommation parce qu'on s'est habitué et qu'en plus on peut pas comparer le chauffage qui va être du chauffage électrique ou au gaz avec du chauffage au bois, parce que le poêle à bois, c'est rayonnant et ça sèche les murs, ça chauffe les murs, donc ça conserve la chaleur beaucoup plus longtemps. Si vous éteignez votre chauffage électrique, au bout de 2 heures, vous avez froid. Vous éteignez votre poêle à bois, 12 heures après, vous n'avez pas froid.
Oui, il y a toute l'inertie de la masse, en C'est fait. ça. Oui, c'est sûr. C'est C'est sûr. ça. Mais 7 à 8 sters, hein, c'est pas énorme. Après, tu es dans une Ben là, on région. est 4 à 5 stères maintenant, maximum. Ouais. Oui, bah Et il c'est. fait pas froid chez nous. On chauffe en moyenne de novembre à février. Moi, j'ai arrêté de chauffer début Hein? février. Attends, Ah oui. répète-moi ça. Novembre, décembre, janvier, février. Non, c'est pas possible. Mais je te dis, je suis pas Non, frileuse, alors c'est on chauffe pour la maison, on mais. chauffe pour les Ouais, chiens. après, bah bon, après, c'est incomparable parce que toi, tu m'as dit que tu étais à 90 mètres d'altitude, c'est ça? Oui. Ouais, voilà, D'à ouais. Moi, 90 mètres au-dessus du niveau de la mer. ouais, voilà, ouais, non, moi, je suis à 1200 mètres, donc. Alors, il y a un commentaire qui me dit qu'il semble que le cochon doit être abattu en abattoir. Non, pas du tout. Le cochon peut être abattu à domicile. En France, c'est que les ovins et les bovins. Donc, les D'accord. moutons, les chèvres et les vaches. Ok, mais j'en Voilà. savais rien, moi j'avais cette idée aussi. Moi aussi, je le pensais. Donc, j'ai fait des vérifications dans la législation. Mais maintenant, il n'est pas impossible que ça change. Si les gens se mettent à abattre leur propre cochon, ça risque de changer, évidemment. D'accord. Tac, ça c'est une question très intéressante. Combien tu passes de temps une journée? Quotidiennement. Ouais, voilà, à t'occuper de tes bêtes, de ton potager. Alors, bah, ça va dépendre, mais en été, ça prend plus de temps parce qu'il fait très chaud. Il faut rajouter de l'eau fraîche en permanence pour les animaux, faire le tour tout le temps pour vérifier que tout le monde va bien. Ici, on a quand même des températures, ça monte à 43 degrés à l'ombre, quoi. En été, c'est assez insupportable. En hiver, j'y passe peu de temps. En hiver, je dirais que c'est 1 heure et demie par jour. En été, je peux passer jusqu'à 2 heures et demie, 3 heures par jour, sachant que je nettoie quand même les poulaillers tous les jours. Et après, j'arrose le potager 4 à 5 fois par jour. Donc, ça me fait aller là-bas, mettre l'arrosage en route. Et je passe 2, 3 heures en plus à m'occuper du jardin, donc plantation, désherbage, entretien, ce genre de choses. Et après, le reste du temps, j'essaie de le passer sur les recherches et lectures, écrire des articles pour Patreon, même si je dois dire, s'il y en a qui sont là ce soir, mes abonnés Patreon, j'ai pas trop pris le temps ces derniers temps parce que bah, c'est le plus gros de la saison. Donc, je cours un peu. Mais voilà, faire un travail sur l'ordinateur après. Mais le jardin et les poules, je pense que c'est quoi? C'est 6, 5, 6 heures par jour, quoi. On en parlera un Voilà. petit peu après, là, justement, là, on va dire, de ton activité. Je sais pas si on peut appeler ça une activité. Tu es un auto-entrepreneur avec le Patreon, tout ça, ou pas du tout? Pour l'instant, j'ai rien déclaré. D'accord, ok. Ça marche. Mais on pourra en parler un petit peu après, si tu veux bien. Tac, tac, tac. Pff, ça, c'est un peu trop vague pour. J'arrive pas bien à comprendre. Puis alors, ça, c'est sujet à débat. Toute forme de liberté limitée par le cadre de la société. C'est pas une vraie liberté. Ouais, de toute façon, la liberté est relative. Hein. On vit en société, il y a des codes. Oui, oui. Voilà, à partir du moment où tu Après. vis en société avec des gens, tu dois respecter un certain nombre de règles. Après, à quel point ces règles sont oppressives, à quel point est-ce qu'on peut l'accepter, ça, c'est toute la question. C'est surtout Moi, ça, je quoi. m'octroie les libertés, en fait. Hein. Là, je dois dire, si on regarde bien, dans 2 semaines, je serai hors législation pour mes poules, par exemple. Puisque quand on a un élevage particulier, on est limité à 50 poules en même temps. Ben Bien moi, je serais sûr. bien, je serais au-dessus. Et j'en ai rien à faire parce que je considère qu'on n'a pas à me dire que je ne peux pas élever mon alimentation. L'homme a toujours fait ça. Je suis mon propre maître et honnêtement, j'en ai rien à faire. Maintenant, si on vient me voir et qu'on m'oblige à enlever mon élevage, ben, ce sera tant pis pour moi. Mais de toute façon, ça ne me coûte rien de déroger à la règle puisque sinon, je ne le ferai pas. Bon, après, enfin voilà, enfin. Il y a certaines choses, effectivement, on doit pousser un peu les limites quand Oui, même. parce qu'en Parce France, il y a quand même que, beaucoup de règles qui n'ont aucun voilà. sens, mais elles sont écrites Et, par des gens qui ont des cravates et qui sont derrière un bureau, donc c'est bah, normal. c'est-à-dire que c'est deux poids, deux mesures, quoi. C'est-à-dire que, enfin, ouais, enfin, les lois sont hyper restrictives pour la classe moyenne, elles sont beaucoup moins pour les gens qui ont les moyens, justement, de la justice. Oui. Voilà, Ben, quand on a un c'est. avocat, on se rend compte que tout fonctionne beaucoup plus rapidement et C'est tout ça, fonctionne mieux. mais. Après, il faut avoir l'argent pour payer l'avocat, c'est toujours la même chose. Oui. Mais on a la chance d'avoir un client du studio qui fait de la musique et donc qui est fait avocat tout venant. Alors si on a un problème, il est là, quoi. Et ça c'est vraiment vraiment une chance. Ouais, mais bon, après, c'est vrai que enfin, moi, justement, là, je suis en train de mettre en œuvre une phytoépuration et tout de suite, on me renvoie vers la loi, vers le SPANC, vers les choses comme ça. Bon. Voilà, hein, j'ai envie de vous dire, voilà, enfin, je sais pas, enfin, il y a un moment, voilà, il faut aussi prendre, enfin, c'est difficile de dire aux gens, désobéissez. Moi, je veux pas être responsable, en fait, des conséquences que ça peut impliquer. Mais ce Non, que mais je veux dire, c'est c'est que, chacun son choix, mais toi, voilà, tu choisis de faire ce que c'est ça. tu fais, sinon tu ferais rien. Voilà, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, je veux dire, On n'a pas le choix. oui, on n'a pas le choix, et puis même, il y a un moment donné, moi, je
comment dire, c'est des grands mots, ça, mais je me rebelle parce que je conçois que ces lois sont abusives, qu'elles me restreignent dans des choses qui me sont, enfin voilà, c'est pas possible. Quoi, et puis ça n'a aucun sens. Voilà, parfois, ça n'a aucun sens en plus. Qu'il y ait un code de la route et qu'on doive le respecter, ça, il n'y a pas de problème. Évidemment. C'est pour la sécurité de tout le monde parce que ça a du sens. Mais qu'on vienne m'emmerder parce qu'effectivement, bah, j'ai une poule de trop sur tant d'hectares. Enfin, voilà, il faut arrêter de dire, enfin, je veux dire, stop. Quoi. Donc, puis, après, la majorité du temps, personne ne viendra vérifier. Hein. C'est les voisins qui peuvent vous porter préjudice. Si avec votre voisinage, il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire des choses qui vous sont interdites. Si les voisins, il n'y a pas de souci, vous n'aurez jamais de problème. Et ça, c'est un gros problème aussi. Le plus gros problème, finalement, c'est la délation. C'est tout à fait ça. Et en France, c'est un sport national. Ouais, il y a ça. Et puis le problème, en fait, c'est que chacun, en fait, est son propre gendarme. Enfin, déjà, les gens sont leurs propres gendarmes, mais sont les gendarmes des autres. Donc, commencez déjà par foutre la paix un peu à vous-même et aux autres. Vous allez voir que la liberté, elle va venir tout seul déjà. Mais les gens souvent qui sont là à surveiller ce que les autres font, c'est parce qu'ils ont trop de temps pour eux. Je pense qu'ils feraient bien de s'occuper. Des fois, il y a un peu une rancœur. Enfin, pas une rancœur, mais c'est-à-dire que certains, on va dire, c'est pas le courage, mais font fi de certaines règles. Eux n'ont pas le courage. Ça dérange ceux qui ne le font pas parce que... Ouais, exactement, ils n'ont pas le courage de l'enfreindre. Donc du coup, ils veulent conserver ces gens-là dans le même état qu'eux. Donc du coup, on dénonce, comme ça tout le monde est bien au même niveau les uns que les autres, là qu'il n'y a pas un qui dépasse. Non, mais foutez-vous la paix les uns aux autres, foutez-vous la paix à vous aussi, pas de pression, tout va bien se passer. Exactement, moi je suis pour que chacun fasse ce qu'il a envie de faire tant que ça ne porte pas de préjudice aux autres, tant que ça concerne que lui. Moi je suis pour tout déréglementer, que chacun fasse ce qu'il a envie de faire, à tous les niveaux en fait. On a une anarchiste en puissance qui fréquente les centres de tir, les gars dans 5 minutes, elle va nous expliquer comment fabriquer une bombe artisanale et faire dérailler un train. Non, parce qu'en plus je suis contre m'en prendre aux autres, mais non, ça je saurais pas faire, hein, je dois dire. J'ai pas encore appris. C'est sur la liste. Non, je rigole. Quels sont les plus gros freins à l'autonomie et comment vous voyez dans 10-20 ans? Ouais, ça c'est vrai que c'est intéressant. Là, tu peux nous expliquer là tes axes de progression et ce à quoi tu veux arriver à terme. Ça c'est intéressant. Alors, moi, ce que j'aimerais déjà là pour évoluer vraiment plus, ça va être trouver de la terre pour avoir plus de place. Donc, vendre ici. Partir, je cherche 4 à 5 hectares de terre, ce serait le minimum. J'aimerais bien avoir 8. Et à ce moment-là, pouvoir continuer à élever plus d'animaux, donc vaches, prendre des moutons pour tondre, pas forcément des chèvres parce qu'elles me font un peu peur, des cochons, voilà, pouvoir en élever plus pour faire de la reproduction aussi. Et puis j'aimerais bien arriver à avoir de l'espace pour faire quelques cultures de céréales. Après, dans 10 ou 20 ans, je sais pas du tout où je me vois parce qu'honnêtement, je sais pas à quoi va ressembler notre pays dans 10 ou 20 ans. Mmh. Ça ressemblera à peu près à ce qu'on a aujourd'hui en moins bien, on sera dans un tout autre monde. Et je pense que si c'est le cas, je serai partie à l'étranger. D'accord. Ouais, donc là, déjà, tu veux changer d'échelle complètement, en fait, finalement. Tu veux passer de 2000 à... Enfin, tu veux... Voilà. Je veux passer 60 000 mètres carrés. Oui, c'est ce qu'on cherche. Ouais, d'accord. Non, mais je pense que c'est la suite un peu logique. Hein. Je pense que quand on va là-dedans, comme on l'a dit tout à l'heure, on veut toujours plus, on veut accéder à toujours plus d'autonomie. Et puis, bah, forcément, il va falloir plus d'espace, il va falloir plus de ressources. Et naturellement, on va changer d'endroit, ou alors, à moins qu'on ait la possibilité d'acheter des terres qui vont autour. Mais j'ai l'impression que déjà dans ton environnement, ça va être compliqué. Puis déjà, les prix, ça va être très compliqué aussi. Voilà, quoi. Au bout d'un moment, effectivement, il va peut-être falloir aller ailleurs. Quoi. Ça, oui, déménager vers les seuls coins que je vois qui sont encore accessibles avec de la terre, c'est Clermont-Ferrand, ou sinon, c'est au-dessus de Niort. Enfin, voilà. Là, par contre, ça ne m'intéresse pas trop avec le climat, mais... Ouais. Bah, nous, justement, tu as parlé de Clermont-Ferrand, nous on est en Auvergne, on est en Haute-Loire, et puis là encore, ça dépend des endroits, hein. Tout ce qui va être proche, capitale régionale, c'est clairement à oublier, hein, de toute façon, hein. Ça va être très compliqué d'avoir autant de terres, quand on veut plus de 1 hectare,
il faut vraiment aller dans des milieux ruraux, là où on va vraiment prendre de la terre, quoi. Sinon, ça me semble être un peu compliqué. Aurélia, tu n'hésites pas à me dire, hein, quand il faudra que tu ailles rentrer tes poules, hein, parce que on n'en a pas parlé, mais. Je vais devoir rentrer les volailles, les mettre au lit. Ouais, oui. On te laisse un moment, du coup. On va faire une petite pause. Il commence, c'est bon, là, je vais pouvoir les rentrer. Je reviens. Okay. Je meuble et puis à tout de suite. Ok, ça va. Tu viens pas tout. Bon, du coup, on fait un petit interlude, on fait une petite pause. Moi, je bois un coup, du coup. Si vous avez envie de préparer vos questions, n'hésitez pas. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaît. Je la trouve très intéressante, Aurélia. Je trouve ça très intéressant ce qu'elle fait. Le milieu où elle est, la configuration, l'espace, c'est vraiment un profil intéressant. Et c'est une femme pleine d'énergie. J'espère que ça vous plaît, ce live. Et puis, si vous avez des questions qui me regardent, n'hésitez pas. Hein, comme ça, je pourrais y répondre. Ça passait le temps en même temps. Ouais, elle envoie le pâté, ouais. Puis elle va en faire du pâté là, puisqu'elle disait qu'elle voulait des cochons. Non, mais franchement, quand t'as une nana qui te dit je vais tomber un cochon, je vais le découper parce que ça me fait peur, j'ai envie de le faire. Voilà, mais les gars, mais c'est des nanas comme ça qu'il faut trouver. Les gars, ça envoie du lourd, quoi. Ah, comment est-ce que j'ai dimensionné ma phyto par rapport au prix des bacs en fait. Tu vois, en gros, tu vois, je suis allé chez mon fournisseur agricole. Je regardais un peu les bacs, le prix où ils étaient, en fait, et ceux qui étaient en 1100 litres, ils étaient intéressants, rapport quantité-prix. Et du coup, je suis parti là-dessus. Alors, en fait, j'ai une installation qui est clairement démesurée au vu du nombre de personnes qu'on est, c'est-à-dire deux. Mais je me dis que c'est aussi bien qu'elle soit démesurée, parce que bah, si, quand on reçoit de la famille, si on reçoit aussi des gens sur site, vaut mieux toujours prévoir plus gros qu'après avoir à tout déterrer, à refaire. Donc on a une phyto qui est vraiment démesurée par rapport au nombre de personnes dans l'habitat. Mais après, voilà, moi je me prends vraiment pas la tête en fait sur ce genre de truc. Hein. Je fais un peu comme j'ai envie. Je prends les grandes lignes. C'est pour ça que j'avais mis en description la vidéo d'une phytoépuration de laquelle je suis en train de m'inspirer. Moi je prends les grandes lignes et après je fais un peu à ma sauce. Hein, Et puis voilà quoi. En fait, je le dis souvent, hein, mais faut pas venir sur ma chaîne et voir des trucs très précis où je vous donne la législation, où je vous fais tout un truc. T'sais, moi, je suis pas un pingouin, hein, je peux pas vous faire ça, moi. Hein. C'est pas possible pour moi, ça me gonfle trop vite. Il y a des gens qui le font très bien, justement, les pingouins, ils font des trucs, c'est carré de bout en bout. Et ils vont même te faire, c'est un truc de fou, quoi. Bon, moi, je n'ai pas envie de faire ça, ça m'intéresse pas. Donc, j'improvise beaucoup plus, quoi. Et puis voilà. Ouais, Agnès, elle fait sa vie. Bah ouais, bah justement, c'est elle qui m'a donné l'indication pour Aurélia, parce qu'elle allait rentrer les poules. Et Aurélia m'en avait parlé, donc hop. Elle découpe les cochons qui allouent. Non, mais vous êtes cinglés, je vous dis, mais attends, merde. Elle découpe les cochons qui, à l'occasion, peuvent aussi manger des cambriolaires secoués à coups de 12 dans les fesses aussi. C'est dans Snatch qui donne les victimes aux cochons. Vous êtes cinglés, je vous dis. La phyto. Alors la phytoépuration, alors en fait ces temps-ci, donc moi en fait je me suis déplacé pour aller rendre visite à mon père, donc j'ai pas pu travailler les deux derniers jours qui sont passés, j'étais là-bas, donc j'ai pas pu trop travailler sur la phytoépuration. Donc là on a commencé à monter en fait les murets en pierre sèche, donc on va continuer ça tranquillement dans les prochains jours. Et puis voilà, ça va se faire tranquillement, mais de toute façon je vous montrerai au fur et à mesure en fait des avancées, ce qu'il en est, à la limite à la fin faire une synthèse sur la phytoépuration, hein, pour percer l'algorithme, comme je l'explique, parce que YouTube ça marche comme ça, hein, il faut des vidéos avec un titre bien centré, avec un sujet bien centré, tout ça, et là on arrive à faire des vues, on arrive à percer un peu, mais voilà, donc on fera comme ça. Sécurité incendie, oui, alors nous en sécurité incendie, on a une grosse réserve incendie dans la maison. On a une pompe aussi à brancher sur le tracteur. Et je termine juste. Qu'est-ce que c'est que ce texte? En sécurité incendie, donc, comme je disais, on a une réserve de 15 mètres cubes, ou je sais plus, de 15 ou
10 ou 15 mètres cubes, j'arrive plus moi, devant la maison. Et après, on a aussi des extincteurs au plus près de tout ce qui est gestionnaire de charge solaire. Voilà. Et ouais, c'est des choses auxquelles on fait un petit peu attention. Voilà, c'est bon, Aurélia, c'est bien passé du coup. Oui, 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 très bien. Ils m'ont pas fait de misère. Super, super. Bon, ben, il y a, c'est reparti, c'est reparti. Tiens, regarde, ça va te faire plaisir, Aurélia. R1, c'est pompe chez Aurélia, en plus du patou et des canards, elle déchire. Franchement, respect à elle, ça change du discours des fragiles français. Oui, puis les canards, ça vaut le coup de le dire, parce qu'ils sont tellement bons pour la défense. Les trucs les moins courageux que je connaisse. Ah ouais, carrément. Ah bah oui, hein, les canards, c'est, ils sauvent leur peau avant tout. Hein. Ah, c'est lâche. Oui, extrêmement lâche. On parlait des oies justement aussi en off tout à l'heure. C'est un truc que tu voudrais, ça, peut-être, les oies ou, Oui, 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 ouais. Je compte en prendre là à l'automne parce que j'aimerais élever une oie qui grandisse avec des poussins si possible, de façon à ce qu'elle se lie aux poussins pour les protéger. Comme ça, je pourrais les sortir dehors en liberté dans l'enclos beaucoup plus tôt pour les prédateurs aériens notamment. Elles feraient le boulot, quoi. Et j'aimerais que la nuit, elles puissent patrouiller avec le patou dans le jardin. Ça permettrait de l'alerter. Si lui, il est au fond du terrain, qu'il y a quelque chose devant, ou et vice-versa, il entendra l'oie, il va y aller en courant immédiatement. Ouais. Mais c'est, comme vous disiez tout à l'heure, hein, c'est un super outil, hein, les oies. Hein. Ça fait vraiment du foin. Et puis, comme je t'ai expliqué, hein, ça avance. Hein. C'est vraiment, quand il y a un étranger, ça ouais, c'est pas. Hein. Ah ouais, carrément. Là, les notes, encore, elles sont un peu calmes, mais on a un voisin qui en a. Mais ses copains, ils ont les tibias pleins de bleu. Hein. Ça vient pincer, ça vient choper la peau et tout. C'est un truc de fou. Moi, une fois, j'étais allé passer une soirée chez eux. Et du coup, j'avais fini ma binouze et tout. Il fallait que j'aille pisser. Je vais dehors, je tombe devant comme ça. J'essaie de leur faire peur, tu vois. Mais, ouais, au début, tu sais, t'as de la gueule. Et puis, quand tu vois que ça bronche pas, t'es vraiment plus convaincu. C'est toi qui as peur. Ouais, du coup, elles sentent qu'elles ont l'ascendant sur toi. Et là, c'est fini, quoi. Donc, du coup, je suis vite rentré. Je suis Hugo, s'il te plaît, viens m'aider, quoi. Et non, vraiment, les oies, ça a plein d'avantages. La prévention, la défense. Effectivement, le fait que ça protège tout le cheptel, ça protège vraiment tout le cheptel. Et il y a un autre avantage, on en discutait avec Gwenaël justement, c'est vraiment que ça tombe, ça met l'herbe propre. Les volailles, les poules, tout ça vont gratter, vont faire vraiment des trous, des nids de poules et tout. Ça met, alors là, vraiment, pour le coup, ça met l'espace dans un état pas possible. Les oies vous font un green, quoi. C'est nickel chrome, quoi. Donc, j'ai mon micro qui déconne. Non, c'est bon, ouais. Mais ouais, les oies, hyper intéressant. Après, par contre, nous, on n'en a pas bouffé pour l'instant. Enfin, j'en ai eu acheté comme ça. C'est très gras. Apparemment, il y a beaucoup d'os dans l'oie, donc je suis pas sûr que ce soit hyper intéressant en termes de viande. Ça, c'est à voir. Ouais, à voir ça. On reviendra dessus. Là, on a plus que 4 oisons justement. Mais là, je pense que ceux-là, ils vont passer le cap et on va en manger quelques-uns. Donc, ça sera l'occasion de revenir là-dessus, savoir si en termes de viande, c'est intéressant tout ça. Donc, voilà. Ok. Ouais, à Noël, carrément. L'oie de Noël, classique. Ah ouais, ouais, c'est des belles volailles, hein. Ça, mettre ça sur la table, là, ça a de la gueule. Hein. Ça, c'est ah clair. Oui, surtout quand on l'a élevé soi-même, je veux dire, les invités, là, ils peuvent pas se plaindre. Hein. C'est clair. Allez-y hein, dans le chat si vous avez des questions, si vous voulez qu'on débatte sur certains sujets, amenez-les, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Je vais répondre vite fait à cette question parce que bon, elle me regarde. Hein. Désolé, hein, je fais un aparté, Aurélia. donc je vais en parler en vidéo. Donc j'avais acheté un broyeur à végétaux. Oh, tiens, on n'a pas parlé d'équipement. On en parlera un petit peu de l'équipement de jardin que tu possèdes. On va y venir. Tiens, ça va donner l'occasion. Donc j'avais acheté un broyeur que j'avais présenté en vidéo, qui était mal conçu à mon sens et qui répondait pas du tout à mes besoins. Donc chez AgriEuro, c'est long, c'est très long. Ils mettent très longtemps à gérer le problème. Ils gèrent le problème, mais putain, j'ai toujours pas reçu le broyeur. Donc en fait, je l'ai renvoyé et ils devaient m'en renvoyer un autre.
que j'aurais payé plus cher, donc j'aurais payé la différence, ils m'auraient renvoyé. Il y a eu des problèmes pendant le transport, le fait que j'avais utilisé, ils m'ont demandé 100 € des frais en fait d'usure en fait. Bon, je les ai donnés parce que oui, ça se fait, je trouve. Et là, ça fait un moment que j'attends le nouveau broyeur. Donc voilà, donc tout ça, j'y reviendrai, on fera le test du nouveau broyeur. Savoir ce qu'il en est et puis voilà. Du coup, il y a eu des... Et oui, alors si, Aurélia, voilà, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu du matériel que tu as pour l'entretien, tondeuse, débroussailleur. J'aimerais bien que tu nous parles un peu de matos, voilà. Alors, on a, au niveau du jardinage, beaucoup moins équipé que pour le bricolage, hein, clairement, parce que au niveau du jardin, je fais moins de travail. Enfin, j'ai les poules qui font beaucoup de boulot, hein, comme tu le sais. Pour le jardin, bon, je fais pas de broyeur. Ça me plairait, par contre. Immédiatement. Qu'est-ce qu'on a? On a une débroussailleuse, mais truc sur perche là au garden qu'on a acheté, qui fait débroussailleuse, qui fait tronçonneuse, petite tronçon, ce genre de choses. On a une grosse tronçonneuse. On a un tracteur tondeuse qu'on n'utilise plus depuis qu'on a les volailles, hein, puisque on n'en a plus besoin. On a une petite tondeuse électrique. J'ai une tondeuse à main aussi, parce que mine de rien, sur certaines zones qui sont toutes petites et où c'est difficile de passer, c'est quand même bien pratique à utiliser. Et je me dis que le jour où j'ai pas d'essence, je suis bien contente d'avoir ça. Après, pour le jardin, j'utilise que des outils à main, quoi. Pour le jardinage, hein, grelinette, une bêche de bonne qualité, un truc pour désherber, là, une binette, et un racloir, une griffe. Voilà, c'est juste ce que j'utilise au jardin, c'est tout, rien d'autre. Pour l'élevage, couveuse, t'as pas mal de choses comme ça, il me semble. Alors, j'ai une couveuse, oui. Après, j'ai des panneaux chauffants, tu sais, ces panneaux où on met les poussins en dessous, ça reproduit la mer, ça permet que la chaleur vienne du dessus, qu'ils puissent se mettre en dessous, se sentir en sécurité, ça reproduit vraiment la mer. Sauf que bon, là, elle est un peu plate et carrée, mais... ça va, les poussins, ça les gêne pas. Alors, j'ai deux panneaux chauffants, j'ai la couveuse. Après, bien sûr, mangeoire à breuvoir de toutes les tailles et de toutes les formes, parce qu'en fonction de qui on nourrit, une mangeoire va pas être suffisamment efficace pour les pondeuses. Je vais dire que les mangeoires, en fait, sur pied, où la nourriture se répand là sur le côté, tu sais, ça descend au fur et à mesure par gravité. Ça, c'est bien pour les poules de chair, mais les pondeuses, c'est pas bien. Pour moi, parce que, par exemple, je fais fermenter les graines. Donc, c'est humide et donc ça colle dedans. Je peux pas les utiliser. Alors, j'utilise des mangeoires allongées. Voilà, c'est... Et franchement, ça demande pas trop, trop de matos, quoi. Je veux dire, les poules... Après, poulailler, bien sûr, évidemment. Hein, ça, j'ai la chance d'avoir un monsieur qui bricole. Ouais, tu peux nous en parler un peu de ton poulailler, justement. C'est toi qui, c'est vous qui l'avez construit, c'est quoi? Oui, c'est Renault. Le bout dedans, c'est vous venez debout dedans? Non, c'est un petit poulailler. Voilà. Alors, on l'a fait, enfin, Renault l'a fait, j'avais pas encore de poule. Et je veux dire que je pense qu'on peut regarder autant de chaînes YouTube, autant de vidéos qu'on veut. Tant qu'on n'a pas commencé, on sait pas, en fait. Hein. Parce que, au final, j'aurais préféré avoir un poulailler où je puisse circuler à l'intérieur pour pouvoir le nettoyer, moins me galérer. Donc, Renaud m'a fait un poulailler sur le modèle type du poulailler qu'on va acheter dans le commerce, donc sur pilotis pour que les poules soient isolées du sol, avec un tiroir à fiente, un pondoir sur le côté. Et par contre, l'avantage, c'est que d'un côté, j'ai le pondoir, de l'autre, j'ai une grande porte qui fait la largeur du poulailler. Ça me permet de laisser le poulailler ouvert toute la belle saison. Je mets un grillage à poules à la place que je fixe. Et comme ça, les poules ont vraiment de l'air qui circule. Et en hiver, je peux laisser le poulailler ouvert toute la journée. Parce qu'on a tendance à penser que quand il fait froid et qu'il pleut, il faut fermer le poulailler, le cloisonner pour pas que les poules attrapent froid la nuit. Mais en fait, c'est pire parce qu'on cloisonne l'humidité. Et arrivé la nuit, s'ils gèlent vraiment vos poules, l'humidité leur tombe sur les plumes et ensuite pénètre à l'intérieur et sur la chair. Et ça peut vous tuer des poules. En fait, il faut vraiment un poulailler bien aéré. Donc, mais à refaire, j'aurai un poulailler où je peux marcher dedans, quoi, clairement. D'accord, ok, c'est intéressant ce retour là, je pense que c'est vachement intéressant parce qu'effectivement on est influencé par ce qu'on voit en vente dans les grandes surfaces et c'est pas forcément, c'est adapté pour le loisir. Voilà, pour trois poules comme ça c'est bien, voilà, si on veut deux trois poules c'est pas mal, mais après quand on commence à avoir de la volaille, non, c'est pas le top. En plus, si on leur ouvre pas très tôt le matin, elles peuvent pas circuler dedans, elles peuvent rien faire, donc... Bon, moi, je leur ouvre aux premières lueurs du jour, bien sûr, mais bon, on ne peut pas tous le faire. Bien sûr.
Hop, je suis désolé dans le chat, je prends un peu les questions qui sont arrivées plus tôt, donc ça va manquer un petit peu de réactivité, mais c'est pas grave. Niveau géographique, est-ce que tu es très isolé? Les magasins, à combien de kilomètres ils sont, les organismes de santé, tout ça? Alors ici, déjà, on n'a plus de médecin dans la commune, ils ont arrêté. Après, il y a un médecin à 10 km. Et pour ce qui est, on n'a pas d'hôpitaux à moins de 50 km d'ici. Donc, d'où l'intérêt de voilà, être capable de prodiguer les premiers soins, hein, parce que mine de rien, s'il y a quelque chose de grave, le temps que les pompiers arrivent, voilà, hein, ça peut très mal se passer. Alors, pour les magasins de bricolage, rien du tout. On a un monsieur bricolage, hein, qui pratique des prix excessifs. Donc, j'achète tout sur Internet, en fait. Et comme je peux pas passer une journée entière à partir prendre la bagnole, mettre de l'essence, ce qui coûte de l'argent, passer toute la journée, ce qui prend du temps, le temps c'est de l'argent, je me fais tout livrer à domicile, je m'embête plus. Voilà. Ouais, moi j'ai pas honte de dire que je fonctionne à peu près de la même façon. Après, bon, nous on est quand même assez bien desservis, c'est-à-dire qu'on a la chance, et c'est marrant parce que du coup on est dans un milieu vraiment rural, mais et oui. à 10 minutes on a hôpital, maison de santé. Enfin voilà, on a un centre-ville qui est réellement vivant avec des vrais commerces. Voilà, c'est pas le cas, mais ouais. Peut-être qu'on est trop près d'une grande ville comme Bordeaux. C'est ce qu'on m'a plein de gens m'ont dit. Ils m'ont dit, on est trop près, tout en étant pas, on n'est pas assez éloigné. C'est ça. Donc on n'est pas desservi en fait. Mais bon, apparemment, ça va changer. Ouais, mais c'était exactement la même configuration dans l'ancienne maison où on était, c'est-à-dire qu'on était loin de Clermont-Ferrand, mais trop près en fait pour bénéficier, en gros, quand c'est comme ça, tu pars du principe que tu fais une demi-heure pour aller faire tes courses, quoi. Enfin, pas une demi-heure, mais 20 minutes, quoi, pour aller faire tes courses, en gros, parce que tous les gros centres commerciaux sont proches Rion, Clermont-Ferrand, et du coup autour t'as peu ou pas de choses. Donc en fait tout est centralisé, tout est concentré, et même ça tue même les centres-villes, hein, puisque finalement tout le monde va dans les grands centres commerciaux qui sont à la périphérie. Enfin voilà, ça c'est encore un problème. On a parlé d'insécurité, ça c'est un autre problème de société. Puis là, c'est ce que tu disais aussi, là, le fait qu'il n'y ait plus de médecins dans ta commune, l'accès à la santé, voilà, c'est encore des problèmes de société, hein, ça c'est clair. Oui. Nous, ici, on n'a pas de supermarché, de grand supermarché. On a un petit Super U, mais je dois t'avouer que moi, je fais faire les quelques courses que je fais vraiment dans un magasin, c'est Lidl, parce que c'est le seul magasin qui n'est pas blindé de monde, en fait. Et la consommation de masse avec beaucoup, beaucoup de gens autour a tendance à un peu me stresser. Je préfère être seule, tranquille. Je comprends très bien. Ça, c'est ce qui peut être intéressant aussi, là, c'est relations sociales, amis, etc. Est-ce que du coup, ce mode un peu de vie, est-ce que ça t'a reclus un peu? Est-ce que ça t'a limité, justement, dans tes... Ben, si, tu me disais dans les contacts. Ouais, mais tout à l'heure, tu me disais les vacances, c'est chaud. Tu nous parlais aussi des événements familiaux auxquels c'est difficile. Alors, il y a des gens qui comprennent. Donc, alors, mes amis proches, mes amis qui, de toute façon, ça a fait un tri naturel. Hein, ceux qui étaient là pour les soirées faire wouhou et pas pour le reste, bon, bah, ils ont disparu, mais ils me manquent pas. Du coup, ça a fait un tri naturel. Il me reste que les vrais amis, ceux qui sont toujours là et qui aiment venir ici. Moi, si on veut me voir, il faut venir. De toute façon, je ne me déplace pas, ils le savent. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui comprennent pas, notamment mon frère, que je vienne pas à son anniversaire chaque année ou que je vienne, mais que pour 3 ou 4 heures, c'est dérangeant, on me le reproche. Mais bon, ça, quand les gens ont un mode de vie trop différent du nôtre, ils peuvent pas forcément le comprendre, quoi. Alors, c'est pas grave, hein. Après... c'est comme ça, mais c'est vrai que oui, ça a fait un tri naturel dans les contacts. Ouais, ça a quand même un impact, quoi. La disponibilité n'est plus la même. Oui. Après, comme tu dis, les vacances, oui, je pars pas en vacances, mais en fait, on travaille tout le temps, certes, mais on a quand même l'impression de vivre en vacances. Je veux dire, on vit dans un cadre qui est sympathique. L'été, on a la piscine, on a un baby-foot, on a un billard, on a ce qu'il faut, je veux dire, pour s'occuper. Dès qu'on a envie, l'après-midi, on prend 2 heures, on prend le buggy et on va dans les bois et on se recouvre debout. Voilà. Donc, quand on peut vivre comme ça, en fait, on n'a pas besoin de nos 3 semaines de vacances ou à partir, se mettre dans un hôtel au bord d'une piscine, tous sardines avec plein de monde en bord de mer. Ça n'a pas de sens, en fait. On est mieux chez nous au final que de partir. Et aujourd'hui, c'est difficile de partir avec le Covid.
Oui. Les voyages. Non, moi, je te rejoins assez sur ce que tu disais, hein, que de toute façon, la vie qu'on mène, elle est choisie, elle est agréable. Elle est agréable. Oui, Et oui, on n'a pas oui. besoin, on n'a pas besoin de se dé, on n'a pas besoin de se, comment dire, Mais de se se sortir la décrisper. tête et de... Voilà, Oui. c'est ça. C'est qu'en fait, tout ce qu'on fait au quotidien nous fait plaisir. Les gens, quand ils me voient monter des murs de pierre, et parfois ils doivent se dire, mais c'est un travail de bagnard. Mais moi, je prends énormément de plaisir quand j'aménage mes espaces, quand je monte des murets, quand je bêche mon sol. Alors que c'est tout un tas de trucs qui est extrêmement physique, qui peut paraître, comment dire, contraignant. Mais Oui. on prend du plaisir à faire ça. C'est-à-dire que ça, c'est notre Carrément. plaisir. C'est moi. Carrément. Je passe beaucoup plus de, je passe un meilleur moment en montant un mur en pierre sèche qu'en allant me faire un ciné, un restaurant. Quand j'ai fini ma journée, je regarde mon muret, je suis fier de moi, voilà, je me pose, je bois un canon, et là, c'est la vie, quoi. Et donc voilà, le divertissement n'est plus le même, en fait. Les intérêts ne sont plus les mêmes. Non, Et c'est clair. voilà. On n'a pas besoin de vacances puisque nos vies, on a choisi une vie qui nous impose pas d'avoir besoin de vacances, c'est clair quoi. Par contre, quand on fait 8h, 17h toute l'année, hein, qu'on a une routine extrême aussi, parce que l'avantage de vivre comme on vit, c'est aussi de vivre avec les saisons. En hiver, je sais pas si toi c'est ton cas, mais moi en hiver, je fais beaucoup moins de choses. Je me repose, je me ressource, je passe plus de temps au coin du feu, à bouquiner, à écrire des articles, je suis à l'intérieur, je dors plus. Puis en été, il y a beaucoup de travail. Au printemps, en été, il y a énormément de travail. Et voilà. Mais comme on vit avec les saisons, on n'a pas de burn-out, en fait. Ouais, là justement, moi c'est un truc sur lequel il faut que je me calme. C'est voilà, c'est normal. Enfin, Apprendre à avoir une saison calme où tu te reposes. ben ouais, non mais c'est clairement ça. C'est que le problème, moi je suis un peu trop dynamique et ça, je le paye hein, physiquement. Je le paye. Hein, et voilà, le problème c'est que je trouve toujours quelque chose à faire. Et quand c'est pas chez moi, je vais chez les autres. Donc il va falloir que je me calme un petit peu parce qu'effectivement le repos est important hein, et il va falloir que absolument. Oui. Que je lève le pied. Il va falloir que je me contraigne à Mais ça. l'hiver, c'est fait pour ça, normalement. Ah oui, mais je pense qu'il va falloir que j'apprenne à rien faire pour de vrai. tac, tac. Ah, si, il y avait une question de. Ah, je vais la retrouver. Une question de Laurent. Attends, je vais la retrouver. Hop. Ah, je vais y arriver, je vais y arriver. Ah, ouais, voilà, Laurent Guilou qui nous posait cette question. Est-ce que tu as une opinion sur un éventuel effondrement? Oui, mais moi je vois pas la chose comme la majorité des gens qui parlent d'effondrement de la normalité le ventre comme un effondrement d'un coup ça s'effondre d'un coup il n'y a plus rien non je pense que la société elle arrivera toujours à perdurer de la façon dont elle perdure aujourd'hui hein, donc en écrasant ceux qui s'en sortent pas en valorisant ceux qui s'en sortent déjà mais je pense qu'en fait en France hein, je parle pour la France je pense que le français moyen est très docile et s'habitue à tout. Et les années qui ont précédé nous l'ont prouvé. Hein, les gens, il y a eu des révoltes énormes, comme on n'a jamais vu en France. Hein, les gilets jaunes, ça a été quand même quelque chose d'assez impressionnant. Et au final, il n'a pas fallu grand-chose pour étouffer le truc dans l'œuf. Les gens sont passés à autre chose. Voilà, c'est fini. Donc, je pense pas qu'il y aura un effondrement comme ça. Je pense que en vivant comme on vit, on va le voir. Ça va être progressif. Mais par contre, les gens qui vivent dans la société à 100%, eux, se rendront même pas compte qu'il y a eu un changement au final. Mais ça va être progressif, mais après un effondrement comme ça, non, je vois pas d'effondrement en fait. Je pense que les choses vont aller vers le pire tout doucement et puis que tout le monde s'habituera à notre nouvelle normalité en fait. Je suis d'accord avec ça, ouais, mais avec plusieurs invités, un peu, c'est ce qu'on s'est dit, quoi. C'est qu'on s'adapte en fait aux choses. Ben On oui. s'adapte aux choses et la société, nos habitudes changent, se transforment. Et puis on trace, quoi. On trace. Et puis voilà. Les gens, ils sont dans leur truc, ils ont leur famille, ils ont leur travail, et tant que de toute façon, il y a certaines choses comme ça qui restent stables, ça ira, je veux dire, enfin, ça ira. Il n'y aura pas de changement, les choses n'ont pas réellement changé d'un coup. Oui, non, enfin, en tout cas, pas comme on nous le vend au cinéma, quoi. C'est-à-dire pas un truc Non, du hyper jour au lendemain, monde dystopique. post-apocalyptique, non. À part si une guerre nucléaire se déclenche, là, par contre, ça risque de changer d'un seul coup. Oui, mais il Mais n'y aura pas de guerre nucléaire. personne ne le verra de toute façon. Hein. Mais je pense On pas qu'il y verra aura une bien. guerre nucléaire parce que c'est dans l'intérêt de personne. Non, bah non. C'est dans l'intérêt d'aucun gouvernement, une guerre nucléaire. Par Non, c'est contre, clair.
Une guerre en Europe avec la Russie, il sera pas impossible dans l'avenir au vu de la façon dont on traite la Russie depuis quelques années et de ce qui se passe actuellement en Europe de l'Est, c'est peut-être quelque chose qui va nous éclabousser, mais on fera avec. Je reprends une petite intervention de Eric Souffleux. Nous, on manque de temps pour faire tout ce qu'on a envie de faire. C'est ça notre angoisse. Est-ce que tu as cette angoisse toi aussi ? Ça, moi, c'est quelque chose que je partage. C'est-à-dire, j'ai oui. Longtemps, je suis très jeune, mais j'ai peur du temps qui passe. Et est-ce que c'est quelque chose qui t'angoisse toi ? Oui, bah en fait, surtout depuis que j'ai passé la trentaine, quoi. Tu vois. Parce que je me dis, j'ai 31 ans, dans 9 ans j'ai 40 ans, dans 19 ans j'ai 50 ans. mais d'un autre côté, je vois des personnes de 60 ans qui font des choses fantastiques et je me dis que je serai toujours capable de faire plein de choses, mais pas forcément dans une période de temps aussi longue, mais juste dans les 3 jours à venir, je sais que j'ai tant de choses à faire, je vais pas arriver forcément à tout faire et oui, ça me stresse. Ça et je suis en train d'essayer d'apprendre ça à pas stresser par rapport à ce genre de choses et essayer de faire mon maximum et aussi je suis toujours en train de me mettre des challenges qui sont pas forcément réalisables donc voilà c'est faut apprendre à pas trop se stresser c'est et à comment dire à je saurais pas comment le dire en français on le dit en anglais on comprendra peut-être hein. Give yourself some grace. Non. Je sais pas, il y a certaines expressions que je ne trouve pas en français parce que peut-être elles n'existent pas en fait. mais oui, voilà, c'est faut arriver à se à pas culpabiliser déjà de ce qu'on n'arrive pas à faire. Ouais. Et on aura le temps de le faire plus tard, mais voilà. Ouais, c'est pas facile à faire. C'est vrai que puis bon après c'est sûr, quand on entreprend des grands projets où on a vraiment beaucoup de choses à faire et tout. Enfin moi je vois j'ai des chantiers que je programme. Enfin il y a des chantiers je sais que je vais attaquer dans un an, dans deux ans, tu vois. Et effectivement j'ai quand même. Et puis comme tu dis hein, on a passé la trentaine. Il y a la question des enfants qui va se poser tout ça. Et c'est vrai que ça, tu vois. Toutes ces choses-là génèrent quand même pas des craintes, mais ouais, une légère angoisse par rapport au temps qui file. Est-ce qu'on va, comment ça va se goupiller? Est-ce qu'on va avoir le temps de faire ci, de faire ça? Est-ce que ça va pas être trop tard au bout d'un moment? C'est quand même angoissant. Et il y a autre chose aussi. C'est la dégradation aussi, par exemple, tu vois, pour les gens qui vont rénover des maisons actuellement, les matériaux ont pris 30%, tu vois. Et ça, c'est le genre de choses aussi, c'est se dire, est-ce qu'on va encore avoir les conditions qui... Enfin, pendant combien de temps... Qui permettront l'accès au logement, déjà, hein, parce que là, voilà, qui vont permettre l'accès à la propriété, aux matériaux. Est-ce qu'on va encore avoir les moyens de rénover ces maisons comme on le faisait avant? Tout ça. Et ça, ça peut aussi générer des angoisses. Voilà. Oui, mais bon, oui. Après, il ne faut pas non plus... On en revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que bon, il y a ces craintes, il y a ces angoisses, mais il faut garder dans l'esprit qu'on s'adapte. Et je renvoie à un live qu'on avait fait avec Todd Bald ou avec Autonomie Dépendante, qui sont des gens en fait qui vont travailler avec des matériaux bruts et qui nous montrent qu'on peut faire avec des produits primaires. Enfin, on trouvera de toute manière de quoi faire. Mais voilà. Bah, vu ce qu'on a réussi à faire par le passé, avec le peu de connaissances que l'humanité avait à ce moment-là, je pense qu'aujourd'hui, on est quand même capable de s'adapter et de modifier notre façon de faire et de trouver d'autres sources de matériaux. Espérons juste seulement que ce ne soit pas des matériaux encore plus polluants, encore moins recyclables. Mais bon, le bois, après, c'est quelque chose, c'est pareil. C'est surtout, j'ai vu, c'est beaucoup le bois. Oui, le bois, c'est problématique, mais le bois, les forêts... Malheureusement, il y en a de moins en moins. Alors, là justement, là, c'est exactement ce qu'on était en train de dire. On va peut-être pouvoir développer un petit peu. Mais voilà, que pensez-vous de l'augmentation en cours des matières premières nécessaires à la construction? N'est-ce pas plus compliqué, plus cher de mettre au point son autonomie? Clairement. Là, il me semble, on parle de 20 à 30% d'augmentation sur la totalité des matériaux. Ah, voilà, ça va. Évidemment, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Donc. Oui, là, mais ça sera toujours moins cher que de prendre un constructeur. De toute façon, on restera en dessous du prix. Mais c'est sûr que ça augmente comparé à ce qu'on avait il y a un an ou deux ans.
Ouais, puis là, je pense qu'il va falloir, ça se trouve, je sais pas, hein, je suis pas Madame Irma, mais peut-être qu'on va devoir se tourner vers des transports, des produits moins standardisés. C'est-à-dire que, admettons, voilà, l'OSB, par exemple, l'OSB, c'est un exemple typique. Moi, j'utilise beaucoup ça. Ça a pris une claque. Bon, bah peut-être que on va, je sais pas, moi je dis une bêtise, hein, c'est peut-être pas une bonne idée, mais peut-être qu'on va se rabattre plutôt sur des planches qu'on va prendre à la scierie d'à côté, et qu'au final, ça se révélera moins cher. Je sais pas, hein, je dis des bêtises peut-être, mais peut-être que Mais ça là, va se révéler moins cher que des choses standardisées comme le sont l'OSB, etc. Donc peut-être qu'on va je suis arriver allée à à se la débrouiller comme scierie il ça, n'y a quoi. pas longtemps. Je suis allée à la Ouais. scierie chercher du bois et pour faire la clôture du potager, justement. Hmm. Et ben, il était quand même un peu en galère. Hein. D'habitude, Ah il y a des énormes montagnes de bois partout. J'ai juste arrivé à faire, oh, je veux ça, je veux ça, je veux ça. La scierie, c'est top, hein, c'est un endroit génial. Mais là, il y avait la moitié de ce qu'il a d'habitude tirer en bois. Donc, c'est logique, si dans les magasins, il n'y a plus rien, les scieries se font dévaliser, c'est normal. Et ouais. donc, les prix étaient un peu plus chers. Les poteaux que j'ai payés pour le potager étaient quand même plus chers. La dernière fois, j'en avais eu pour 1,80 €, j'en ai pour 4 euros le poteau. Ouais, non, mais ouais, ça c'est clair, là justement. Le Mais prix ça du reste bois est toujours plus intéressant tellement. que magasin de bricolage, bien sûr. Ouais, bien sûr, ouais. Le prix du bois est tellement haut que tu hésites à prendre un pro parce que tu n'as pas le droit à l'erreur. Ouais, si on en vient au fait que la matière est tellement rare et onéreuse que on stresse justement de se louper, c'est que ça devient chaud, quoi. Là, justement, ce qui était intéressant dans le fait de faire soi-même, c'est que on pouvait louper plusieurs fois parce que comment dire, quand on mettait en relation le prix de la main-d'œuvre, le prix qu'on payait la chose, j'avais fait un calcul, moi je le répète encore, mais j'avais fait un calcul pour souder une marquise au-dessus de au-dessus de ma porte. Et j'avais fait le calcul que si je l'achetais toute faite et même posée, eh bien j'avais l'occasion d'acheter 3 fois la matière pour la tenter 3 fois et que j'étais encore gagnant. En termes de prix par rapport au fait de l'acheter et de la faire installer. Mais après, effectivement, si les matériaux deviennent de plus en plus chers, l'écart va se combler. Après, le constructeur ou le professionnel, lui, prendra toujours sa marge minimale de toute façon, parce que sans ça, ça vaut pas le coup pour lui de bosser. Donc, au final, avec la main-d'œuvre, je sais pas si ça vaut le coup forcément de prendre automatiquement un professionnel. Mais Ouais. après, peut-être, il y a aussi, on peut faire un compromis aussi. On peut très bien prendre un professionnel et travailler avec lui Oui, il y a ça pour faire aussi. Et baisser puis, le coût de la main-d'œuvre, aider. tout à fait. Et puis, bon, clairement, nous, c'est un truc dont on fait fortement la promotion sur cette chaîne. C'est-à-dire que plus ça va aller, et plus il va falloir qu'on construise des réseaux d'entraide, justement, pour limiter la main-d'œuvre. Et voilà. Et donc, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça qui va nous permettre justement de pouvoir continuer à devenir propriétaire et de pouvoir continuer à rénover sa maison. C'est-à-dire que voilà, il y en a un qui est électricien, il y en a un autre qui est charpentier, puis voilà, on travaille tous les uns chez les autres, et là, comme ça, on arrivera peut-être à faire quelque chose. Et ça va devenir de plus en plus nécessaire. Donc voilà, et nous, c'est des choses à quoi on travaille ici, sur place. Et vous l'avez vu dans la vidéo qu'on a sortie aujourd'hui. Là, je vais faire des travaux chez un ami. Vous avez vu aussi Hugo qui a fait la taille de pierre, qui est carreleur. Voilà, on essaie de se réunir entre gens de compétences, et comme ça, voilà, on va réussir à faire quelque chose de nos maisons. Mais ça va devenir, à mon avis, de plus en plus nécessaire. Ça, c'est clair. Voilà. La rénovation, Aurélia, j'ai une grosse trappe, hein, faut pas hésiter, hein, si tu veux ajouter quelque chose, si tu veux parler, faut me couper parce Oui, non, mais que oui. rénovation peut être plus intéressant que la construction. De mon point de vue, encore une fois, c'est personnel, donc c'est pas valeur universelle. Moi, je trouve que oui, dans le sens où je suis pas du tout papier, j'ai pas envie de demander l'autorisation à qui que ce soit, j'aime pas les permis de construire, tout ça. Donc j'achète une maison et j'ai pas tout ça à faire. Donc déjà, moi, ça me va bien. Après, par contre, derrière, par contre, effectivement, on peut avoir des surprises. On peut avoir des surprises. Il va y avoir aussi peut-être du gros œuvre aussi. À voir, à voir,
à voir, mais les deux ont des avantages et des inconvénients. La rénovation, tu fais. Vas-y, excuse-moi, Aurélie, vas-y, je te laisse parler. Non, vas-y, finis ce que tu disais, je ne veux pas te couper. D'accord, ça marche. Mais du coup, en gros, la construction te permet de tout penser de A à Z et d'optimiser et d'avoir finalement très peu de surprises. Mais t'implique un architecte. Ou de plancher là-dessus, ça implique plein de choses quand même. Et puis de la paperasse, et puis voilà, de partir de zéro et d'acheter le terrain aussi. Enfin voilà, ça, tous ces inconvénients. La rénovation, il y a donc la paperasse qui est exclue. Tu arrives déjà sur un bâtiment, mais voilà. Mais après, le problème, c'est l'inconnu. C'est-à-dire, tu peux avoir beaucoup de mauvaises surprises. Ouais, voilà. Après, bon, pour moi, la rénovation reste toujours plus intéressante que la construction parce que aujourd'hui, dans pas mal de coins, quand on regarde le prix de la terre sans bâti et le prix de la terre avec du bâti déjà existant, on en revient quasiment au même tarif. Donc, nous, oui. Ici en Gironde, c'est le cas. Hein, et voire même un terrain nu coûte plus cher qu'un terrain déjà bâti. Et pour la construction, le truc, c'est qu'aujourd'hui, les constructeurs, ils font majoritairement de la maison carton. Alors, moins que vous ayez un budget énorme, ce que je dis maison carton, c'est ces maisons, vous savez, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, Alexis. Ah, parpaing, placo. Nous, ici, c'est même briquette rouge. Ces maisons-là, là, tu sais, qui en fait fissurent au bout de 10 ans, dont les fondations sont toutes fines, qui n'ont même pas d'avant-toit parce que ça coûte trop cher. C'est toutes ces maisons qui ne seront pas durables dans le temps, quoi. C'est dans 30 ans, ces maisons-là, elles ressembleront plus à rien. Alors que la maison qui est là déjà depuis les années 60, si vous la rénovez, elle sera encore là dans 30 ans, dans 40 ans, dans 60 ans. C'est pas du tout le même genre de construction. Après, c'est vrai qu'on a les surprises, comme dit Alexis, oui, les mauvaises surprises. Mais on a aussi des mauvaises surprises avec des constructeurs. Il suffit que le constructeur, il finisse pas le job, qu'il soit entreprise fasse faillite entre temps, vous êtes assuré de rien du tout. Ouais, c'est clair. Ça aussi, il y a des risques. De toute façon, moi, clairement, vous me connaissez un petit peu maintenant, mais j'ai vraiment tendance à... Vous savez, moi, je prêche l'autonomie et faire appel à un constructeur pour faire construire sa maison, c'est contraire à tout ce que je prône finalement sur cette chaîne. et puis aussi, j'ai ce désir de restaurer le patrimoine traditionnel français. C'est-à-dire que je préfère voir des gens qui vont rénover des fermes, de la pierre, des belles maisons, qui vont me remettre ça debout, qui vont remettre de la vie dans les villages de campagne, plutôt que de voir des lotissements pondre partout avec des maisons de qualité médiocre, et puis en plus qui vont être posées sur des terres qui auraient été potentiellement cultivables. Donc tout ça fait que... Puis quand on construit aussi l'urbanisme, aujourd'hui les lois sont plus les mêmes. Par exemple, nous, notre maison, elle est à, je sais pas, à 20 mètres du portail, de la route. Mais aujourd'hui, par exemple, dans notre commune, on n'a plus le droit de construire à plus de 3 mètres de la route. La maison doit être collée à la route, en fait. Ah oui, on ne peut pas, si on veut aujourd'hui, aller mettre une maison au fond de son terrain pour être tranquille, se faire une grande allée. Non. Il faut que la maison soit collée à la route pour que tout le monde soit collé en première ligne. C'est comme ça. Donc, il y a de ça aussi, l'urbanisme à regarder. Et quand vous regardez dans l'immobilier, première chose à faire, prendre les règles d'urbanisme des communes pour voir ce qu'ils en disent par rapport à ça. Parce que d'une commune à une autre, ça change. Je me souviens justement effectivement d'une des premières vidéos des pingouins, comme un pingouin dans le désert, c'est des autoconstructeurs, je ne sais pas si tu connais. Dans leur première vidéo, justement, ils énuméraient les recherches de terrain pour leur projet. Et effectivement, ils étaient tombés dans le cas où ils avaient trouvé un terrain qui leur plaisait beaucoup, mais l'implantation de leur maison était imposée à un certain endroit du terrain. Ce qui fait que, donc, du coup, ils n'ont pas sélectionné ce terrain-là parce que c'était plus intéressant pour eux, quoi. Effectivement, les règles d'urbanisme, c'est vachement. Les mairies, c'est de la corruption, hein, l'urbanisme. L'urbanisme aujourd'hui en France est fait pour favoriser les gros promoteurs, les gros projets de promoteurs immobiliers, et non pas les projets de familiaux indépendants pour construire sa petite maison. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que vous ayez un jardin de 400 mètres carrés avec une maison carton dessus, et puis voilà. Ouais, c'est ça, de quoi mettre le barbecue, le trampoline. Voilà, c'est ça, le dacier.
Le Dacia Duster à crédit, et voilà. comment se passe le prêt pour l'autoconstruction, la rénovation? Les banques ne demandent-elles pas des devis d'artisans pour accorder le prêt? Alors, ça, moi, je pourrais clairement pas te répondre, parce que j'ai moi pas non plus. dans ce cas-là, mais là, il faut se rapprocher des conseillers. Des faut des demander aux conseillers bancaires, oui, parce que nous, on n'a pas eu à faire ça. Donc, D'accord. Ouais, nous non plus. Mais j'imagine qu'effectivement, ils vont pas prêter comme ça sur parole, quoi. Il va falloir amener des choses. Pour des travaux, oui. Si vous demandez de l'argent pour des travaux spécifiquement, oui, il faut apporter des devis, bien sûr. Ça, c'est logique. Tiens, bah justement, les banques demandent des devis pour le montage de prêts, mais il ne faut pas passer par un taux zéro car elles demandent des factures pour débloquer les fonds. Voilà. Ça nous donnera peut-être un peu plus de moulin, d'eau à notre moulin plutôt, parce que de moulin à notre eau, ça va être compliqué. Le montage de prêts, exactement, c'est... Bah, à mon avis, ça doit être pour... Le dossier la... Ouais, ça va être ça, ouais, je pense. Ouais. Ah, demande des devis pour le montage du prêt. Oui, certainement, pour faire le dossier, parce que de toute façon, ils ont besoin de faire les calculs à l'avance. Donc, oui, pour monter le dossier, ils doivent demander les devis à ce moment-là. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est toutes les questions financières, il faut y voir avec les personnes qui, voilà, qui... Oui, qui sont compétentes. C'est ça. Mais bon, voilà, après ça, c'est des choses. Hein. Putain, après, les prêts immobiliers, c'est compliqué en ce moment, quoi. Je sais que j'ai une copine qui est directrice d'agence bancaire. Elle me disait qu'en ce moment, à peu près 30% des demandes de prêts immobiliers qu'ils reçoivent ne sont même pas ouvertes. Elles partent directement à la poubelle. Ah oui, carrément. Oui. Mais faut savoir que c'est pour des personnes qui sont indépendantes. Pour le salarié, c'est facile. Le conseiller bancaire, il rentre les chiffres dans un ordinateur. L'ordinateur, il lui dit oui, non, non, oui. Pour un indépendant, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Nous, le prêt était passé parce que Renault, en étant indépendant, c'était pas facile. Il s'était fait un prévisionnel un peu irrêvé, quoi, hein, sur l'année d'après. Mais c'était carrément la directrice financière de la Société Générale qui avait dû accorder le prêt. Il pouvait pas le passer par sa banque directement. D'accord. Et heureusement, elle était fan de sa soupe, alors. C'est ça qui a fait que le prêt est passé, en fait. Il lui a fait écouter un morceau qu'il allait soi-disant sortir. Il lui a dit, je vous fais écouter en avant-première. Vous serez la première à l'écouter avant qu'il sorte en radio. Finalement, il n'est jamais sorti en radio. Et elle était toute contente. Alors, du coup, elle a fait passer le truc. C'était vraiment un coup de chance. Je vais te demander une petite pause rapidement, je reviens tout de suite. Je suis désolé Aurélia, je te laisse avec le chat, j'en ai pour 30 secondes et je reviens tout de suite. Ça te dérange pas? Ça marche. Ok, allez, c'est parti. Je suis en train de lire, je vois pas trop à quoi répondre. Quand ma ferme pas autonome, c'est pas ma ferme autonome. Non. J'imagine que non. Non, j'ai pas essayé le CBD. On me l'a recommandé. Merci, bonne fille, alors. Glock. Évidemment. Oui, c'est ça aussi, les charpentes modernes, là, fermettes, c'est ça qu'ils appellent ça. C'est, oui, on se dit qu'en cas de tempête, quand même, c'est un peu léger. Qu'est-ce que je pense de la chasse? Alors, moi, je ne chasse pas, personnellement. J'en vois pas l'intérêt, puisque j'élève mes animaux. Et puis aujourd'hui, c'est plus très sport. Il y a plus de chasseurs que d'animaux dans les forêts. Mais après, je considère que le chasseur qui mange la nourriture qu'il a chassée, la bête qu'il a chassée, est un bon chasseur. Chacun, s'il a envie de chasser, il chasse, ça le regarde. L'homme a quasiment toujours fait ça. Donc, tant qu'il mange sa viande, après, moi, je suis pour la chasse. Par contre, celui qui chasse juste pour tuer des animaux, là, je suis pas tout à fait pour. Qu'aurais-tu à dire pour motiver les filles à l'autonomie? Je sais pas, parce que je saurais pas quoi dire, parce que dans ce genre de démarche, je connais pas de filles en fait autour de moi.
Oui, c'est moi qui tue mes animaux. Je tiens à ça parce qu'ils sont tués sur la ferme, ça permet d'avoir un minimum de stress et en même temps, je sais qu'ils auront le moins souffert possible. Voilà. Et honnêtement, le stress quand on tue son animal, quand on l'envoie à l'abattoir, le stress qui est engendré rajoute un goût à la viande et on a ce goût de la mort qu'on n'aurait pas quand on tue son animal sur place, dans un environnement sans stress. Désolé. C'est bon, ça s'est bien passé. Ils t'ont pas trop perturbé, mes petits gamins. Non, ils m'ont bien Bon, traité, ça c'est va. bien, c'est bien. Bravo. Attention, sinon hein, ça va mal se passer. Hein. ouais, si, c'est notre ami Rolly là, qui nous posait qu'aurais-tu à dire pour motiver les femmes à l'autonomie? Parce que c'est un truc Mais qu'on retrouve pas mal. Vas-y. j'ai essayé, j'ai vu la question, j'ai essayé d'y répondre, mais comme Ouais, j'ai dit, ouais. je connais pas vraiment de filles en fait dans cette démarche. Ouais. Donc c'est et je sais pas du tout en fait ce qui serait spécifique aux filles parce que je pense que c'est plus Ouais. spécifique aux êtres humains en fait. Ouais. Parce que honnêtement, faut avoir envie de marcher sur de la fiente, d'avoir une manucure avec de la terre sous les ongles. Voilà, faut pas être très très fille justement. ouais, non, mais c'est. Bah, après, y a beaucoup d'hommes maniérés aujourd'hui, hein, mais bon. Oui, mais dans Mais les je pense. villes, hein. Bah, ouais. Pas dans les campagnes. ouais, non, mais alors, ça, par contre, oui, effectivement, c'est probable, je ne saurais pas dire, mais dans le monde, il y a plus de filles autonomes que de mecs. Je pense que dans le monde, effectivement, les femmes gèrent beaucoup le foyer, et donc, Oui. je pense effectivement que si on faisait un ratio sur l'échelle Dans internationale. les pays soi-disant moins développés que les nôtres, puisqu'aujourd'hui la femme dans les pays développés, donc occidentalisés, en fait, elle est indépendante parce qu'elle va travailler et qu'elle a sa carte bancaire. Mais elle sait pas faire à manger et ce genre de choses. Au final, ça devient de plus en plus courant chez les femmes de nos pays. Oui, non, ça c'est un gros problème. Les femmes qui savent pas faire à manger, ça c'est Oui, pas mais c'est les femmes qui possible. se disent indépendantes. Elles se disse indépendantes sans savoir faire à manger. Ah, Après, mais si. Ah, je c'est ce pense qu'on truc de a. vouloir se dissocier de l'homme et se dissocier du couple et du fait que la femme, elle est quand même là pour s'occuper de son homme et s'occuper de ses enfants. Et c'est pas dévalorisant du tout à mes yeux. À mes yeux, c'est normal quand on est une femme de prendre soin de son homme. C'est logique, on va pas lui demander de faire la lessive d'un autre côté. Il sait même pas où est la machine à laver. Alors, Je veux doucement, Aurélia, parce qu'ils vont dire que je t'ai pas invité pour rien, là. dire. Hein. Tu vas trop dans mon sens, là, c'est pas possible. Ah Ils vont se dire, il lui a filé un test. Tu m'as filé le storyboard avant de commencer. Non, non, moi j'ai une mentalité un peu années 50 à ce niveau-là. Mais c'est clair, je pense que l'homme, il est là pour faire le bricolage, s'occuper financièrement de la famille aussi. Et la femme, elle est là pour prendre soin de l'homme, qu'il n'ait pas le stress qui est engendré par tout le reste en ayant à gérer son travail, en fait. Et après, c'est comme ça que nous, on vit bien de Alors, cette façon et on est heureux de cette façon. il faut bien dire qu'Aurélia n'est pas seule. Hein. Elle a un bonhomme avec qui elle vit, parce que là, ils vont tous te vouloir. Là, c'est pas possible. En plus, c'est vrai qu'on voit jamais Renaud dans les vidéos. Ils vont se dire, non, mais. Ouais, bon, mais t'as pas des copines, là, parce que moi, j'ai plein de gars, là, à mon avis, là. Non mais écoute, non, mais je suis ravi qu'une femme tienne ce discours et en plus que voilà que effectivement c'est pas du tout dévalorisant, c'est pas du tout, enfin voilà, je sais pas, enfin effectivement moi je pars aussi du principe que chacun a son rôle à jouer, qu'il est d'une importance totalement égale, que juste les intérêts sont pas les mêmes, donc on se dirige forcément vers des choses qui sont différentes, comme tu l'as dit. Bah, nous en fait c'est marrant, c'est assez drôle parce que finalement dans tous les gens que j'ai invité, eh bien, les individus, selon leur sexe, se dirigent vers des activités qui se ressemblent. C'est-à-dire, comment te dire ça? C'est-à-dire que les bonhommes, effectivement, bah, voilà, comme tu l'as dit, on va plutôt aller vers le bricolage, vers la construction, vers ces choses-là. Et les femmes, j'ai La plutôt l'impression, cuisine, la maison, le la cuisine, jardin. le soin aux bêtes, le jardin, ces choses-là. Et ça semble être plutôt naturel, en fait. J'ai l'impression que ces intérêts sont relatifs plus au sexe, finalement. Oui, parce qu'on est fait pour ça. La femme, elle est faite pour se reproduire, prendre soin des enfants, et ça passe par nourrir les enfants et nourrir l'homme aussi, bien sûr, puisque c'est le reproducteur. Enfin, c'est biologique à mes yeux, tout ça, hein. C'est quand même Oui, très c'est ça. biologique.
Oui, c'est probable, c'est probable. En tout cas, c'est vrai que les couples finalement d'autonomistes ont tendance à se ressembler et clairement tranchent avec la vision, on va dire, moderne, effectivement, d'individus totalement indépendants, similaires sans besoin de personne. Voilà. Et je pense que là aussi, il y a une erreur. Parce que c'est le fait en fait de se dissocier de cette manière rend le couple, l'équipe, on va dire, beaucoup moins efficace. Et beaucoup moins efficace. C'est-à-dire en fait chacun joue un petit peu pour sa propre pomme et au final, c'est ça. Pas une équipe. C'est pas une équipe. Je pense que c'est pas non plus, c'est pas comme ça qu'on arrive à garder une relation pendant 50 ans. De toute façon, il suffit de regarder chez nos grands-parents. Hein. C'était comme ça que ça fonctionnait. C'est pas par hasard s'ils sont connus enfants et qu'ils ont passé toute leur vie ensemble. Parce que la femme savait qu'il y avait des choses à faire pour l'homme et l'homme fait des choses pour la femme. C'est comme ça. Et chacun a son rôle bien défini. Et au moins, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, après, voilà. Enfin, alors, ça n'a pas toujours été le cas. J'en sais rien en tout cas. Mais c'était, enfin, en tout cas, le travail doit être égal. Enfin, il est égal de toute façon. Oui. Si les choses sont bien faites. Mais en tout cas, le but, effectivement, c'est pas de se reposer sur l'autre. Chacun fait sa part et ça fonctionne très bien. C'est en cohésion, puisque si l'un ne fait pas, l'autre ne pourra pas faire ce qu'il a à faire. Alors que si on fait chacun de son côté, on n'est pas lié en fait. On n'est pas lié et on partage moins de choses et forcément on n'apprend pas aussi à s'aimer de cette façon. J'entends en tant qu'équipe, en tant que moi par exemple, j'adore avec Renaud un rancard, c'est monter la clôture du potager ou construire le poulailler mobile, c'est une après-midi rancard, je trouve ça vraiment top, quoi, parce qu'on travaille ensemble et qui me dit fais ci, fais ça, parce que c'est lui le cerveau dans ces cas-là et moi, je suis pas tellement le cerveau, je suis une femme, je me repose là-dessus, je suis pas très bricole, mais au moins, voilà, on passe du temps ensemble et j'apprends plein de choses en plus. Alors, Ah, mais c'est clair que c'est des très beaux moments. C'est des très, très beaux moments. Ça, c'est clair. Là, ce matin, pour donner un exemple, ce matin, on a réalisé une mangeoire pour les lapins avec des chutes d'OSB, des chutes de médium, tout ça. Bon, on fait ça ensemble. C'est des super moments. C'est des moments qui sont. Carrément. C'est bien plus important qu'aller partager une bouffe au restaurant en amoureux avec une chandelle, quoi. Je veux dire, on s'en souviendra bien plus. Je suis tout à fait d'accord avec ça et on en revient encore une fois à ce qu'on disait, c'est-à-dire que les divertissements, la nature des divertissements, la nature des plaisirs, elle est complètement différente. Elle ne peut pas être comparée à ce que vit la majorité des gens finalement. Quoi. Et au regard de ces gens-là, ce qui leur est à leur sens la contrainte des choses inconfortables, à nos yeux, nous, c'est très valorisant et c'est très divertissant. Voilà. Et ça, faut le faire comprendre, hein, parce que quand des gens tu sais, qui ne sont pas initiés vont arriver sur nos chaînes, ils vont nous voir courir dans tous les sens, travailler comme des zinzins et tout, mais il faut bien qu'ils comprennent que derrière tout ça, il y a énormément de plaisir, en fait. Je me sens pas esclave de ce que je fais du tout, moi. Je me lève le matin, je me sens pas contrainte de me lever. C'est pas énervant de me lever. Je suis pas dans le lit à me dire oh j'ai pas envie. Quel que soit le nombre d'heures que j'ai dormi, je me réveille, je me mets direct debout et je suis prête à partir et à y aller parce que de toute façon ça va être une bonne journée. C'est vrai que c'est toujours du plaisir. Et Eric nous donne un bon plan. Alors, à tous les autonomistes célibataires, des femmes traditionnelles vous attendent au Japon. Donc voilà, écoutez, voilà, ça vous fera peut-être un petit voyage, essayez de voir, hein, pourquoi pas. Faites votre vaccin avant de partir, par contre, du coup, hein, voilà, parce que là, ça va être obligatoire. Mais c'est quand même triste, hein, de se dire que pour trouver des femmes qui sont dans nos, comment dire, qui vont nous correspondre, eh bien on doit les trouver à l'étranger, c'est quand même dommage. Donc nos chers amis IES françaises, rendez-vous visible et constituons tous des couples d'autonomistes qui soient des équipes et qui avancent bien, on va arriver à faire plein de choses comme ça. Vous allez nous la faire rougir là, calmez-vous quand même. Hein. On va passer pour des bofs après là. Oh, calme là, doucement.
Bon, en plus, il y a Renaud qui passe à côté, il ne faut pas qu'il voit ça. Là, chérie, la chaîne, là, c'est terminé. Hop, 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 c'est fini, là. Tu m'en remballes tout, c'est fini. Prendre l'ordinateur. Étendre le linge en amoureux, faire à manger à deux, vider le lave-vaisselle à deux, faire les travaux à deux. Dans les deux sens, le partage. Oui, 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 je suis d'accord avec ça. Tac, tac, tac. Monter une équipe, ça c'est Agnès. Hein, ça va pas ou quoi? Bon, il se fait déjà tard. Aurélia, est-ce que tu avais envie d'aller sur des sujets qu'on n'a pas évoqués ce soir? Des choses que tu avais envie de dire qu'on a manqué éventuellement? Non, je crois pas. Je crois qu'en plus, on a évoqué plus de sujets que tu vois, ce que je pensais, vraiment plus. D'ailleurs, le temps est passé à une vitesse folle. Hein. Je n'ai pas du tout vu le temps passer. Hein. Non, mais oui, Alexis, avec toi, on ne voit pas le temps passer. Dis donc, Agnès, elle ne doit pas voir les années passées. Arrête, ils vont vraiment finir par croire que je t'ai glissé un billet. C'est pas oui, c'est clair, ils vont croire que tu m'as payé, ouais. Bon, mais en tout cas, ouais, c'est un échange très sympathique. Est-ce que... Ah oui, moi, j'aimerais bien que tu nous fasses un petit mot de la fin. J'aimerais bien que tu... Qu'est-ce que tu aurais à dire finalement aux gens qui veulent se lancer dans des démarches d'autonomie? Qu'est-ce que tu as envie de leur donner comme conseil principal? Déjà de bien se renseigner, mais de commencer en fait, de ne pas rester dans la phase d'apprentissage, parce que je vois beaucoup de personnes qui voudraient et qui restent dans la phase d'apprentissage avec les livres, le contenu internet, tout ça, et qui se sentent jamais vraiment le courage de se lancer, se disant qu'ils sont pas encore assez compétents pour faire. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut se lancer tout de suite. Qu'on sache faire ou qu'on sache pas faire, on apprendra. Et si vous êtes dans l'erreur, si vous êtes dans l'échec, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut une quinzaine d'échecs pour arriver à la réussite parfois. Mais le but, c'est, le tout, c'est de se planter, c'est pas grave. Le tout, c'est de se relever. C'est tout. Voilà. Parce que je sais que moi, ça a été un gros frein à faire ce que je voulais faire. C'était la peur de l'échec. Et au final, aujourd'hui, c'est plus un moteur qu'un frein. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça, qui voudraient faire des choses, mais qui sentent jamais de peur de pas réussir. Et ça, c'est bête, en fait. Parce que on sera tous dans l'échec à un moment donné. Je veux dire, comme dit Zig Ziglar, un enfant qui commence à marcher, on va pas lui dire, bon, ben, tu n'y arriveras, tu n'as pas réussi du premier coup, laisse tomber, tu y arriveras jamais. C'est logique que, voilà, il faut réessayer, continuer. Et les échecs, c'est juste un pas de plus vers la réussite. Et si vous êtes dans l'échec, c'est pas grave, quoi. C'est vraiment pas grave. Ça, c'est un truc qui m'importe, parce que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont tendance à voir ce que je fais, qui me disent, oh, je veux faire pareil, oh, mais je sais pas faire, oh, mais j'y arriverai jamais. Mais si, on peut tous le faire. On peut tous le faire, on peut s'en donner les moyens. Et on n'a pas besoin d'avoir 2 hectares de terre pour le faire. On peut commencer dans son jardin, dans son petit jardinet, on peut commencer. Si on veut élever 3 poules dans un enclos statique en rajoutant en permanence de la matière organique pour qu'elle soit sur un environnement propre, on peut. Vous pouvez avoir des poules sur 20 mètres carrés si vous voulez. Il faut juste un peu d'imagination, se donner les moyens et c'est possible. Et de toute façon, si on ne fait pas le maximum de ce qu'on a déjà avec ce que l'on a déjà chez soi, c'est pas parce qu'on aura plus grand, qu'on aura plus de place, qu'on fera plus. La réalité est là. Donc, ce qu'il faut déjà faire, exploiter au maximum ce qu'on a entre les mains avant d'essayer d'avoir plus et de se dire qu'il faut attendre d'avoir vraiment ce qu'il faut pour être capable de le faire. Ouais, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est un très beau message de fin. C'est parfait. Tu as bien lu le texte que je t'ai fourni, Aurélia. Oui, ça fait une semaine que j'étudie. Bon. Nous, on va aller manger, hein. On n'a pas mangé. Ouais. Bon, en tout cas, j'espère vraiment que ce live vous a plu. Merci beaucoup, Aurélia, d'avoir accepté cette invitation. C'était vraiment très riche, très intéressant. Merci encore. Et merci à toi et à Agnès. De rien. Et donc, je vais mettre les liens de la chaîne d'Aurélia en description. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. C'est très intéressant. Abonnez-vous. Et puis, nous, on se retrouvera la semaine prochaine, samedi d'après, pour un autre invité. Je vous dis ça, il n'y a pas de souci. Passez une très bonne soirée, mes petits lapins. À la prochaine. Salut.